Bonsoir à tous. La séance est ouverte. Donc, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 2843 portant article additionnel après l'article 3. Donc, la parole est à Monsieur L'Aquila. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, je vais vous parler d'un ovni, fiscal. De quoi s'agit-il? Nous avons une réduction d'impôt qui est accordée au bénéfice du débiteur d'une prestation compensatoire versée en capital dans le cadre, d'un divorce, avec une réduction de 25% et plafonnée à 30 500 euros sur 12 mois. Alors cet amendement qui met... Je souhaite en tout cas mettre fin à cet ovni fiscal qui consiste à ce que le contribuable français qui assume aujourd'hui le règlement d'un litige privé en matière de divorce, je crois que nous avons tous intérêt à chasser ces ovnis. Ce n'est pas une dépense, c'est plutôt bon pour nos finances. Je vous remercie, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général ? Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Merci. Chers collègues, vous êtes un peu excessif, probablement, sur l'OVNI. Donc, quand il y a un divorce qui est prononcé par un juge, effectivement, il y a un accompagnement fiscal dans tous les cas. Soit le capital est payé dans les 12 premiers mois et donc il offre droit à une réduction de 25%, comme vous venez de préciser, soit il est versé sous forme de rente ou par un capital au-dessus de 12 mois, et du coup, il offre la possibilité d'une déduction de revenus. Donc si on appliquait votre amendement, on créerait une dissymétrie entre les deux. Or, les deux situations ne sont pas du fait du débiteur, ce sont le plus souvent le fait du juge, et le juge qui décide en fonction des moyens du débiteur et en fonction de la situation. Donc, vous créeriez une dissymétrie. Donc, avis défavorable, chers collègues. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le député L'Aquila, de traquer les réductions d'impôts, crédits d'impôts, pour voir s'ils sont utiles ou pas, et le cas échéant, proposer leur suppression. Je pense que c'est une philosophie, un état d'esprit qu'il faut qu'on ait tous collectivement. C'est le cas aussi de Daniel Labaronne au sein du groupe Renaissance, et je suis sûr que dans tous les autres groupes aussi, on a cette logique-là. Moi, je dois avouer que je suis un peu embêté sur ce sujet-là, parce qu'en l'occurrence, je crois que cette réduction d'impôt qui est octroyée dès lors que la prestation compensatoire est versée dans les 10 mois après le divorce, a justement été mise en place pour inciter au versement rapide de la prestation compensatoire du conjoint à l'ex-conjoint. Et on a beaucoup agi justement pour garantir l'accès aux pensions alimentaires pour les femmes face à des conjoints parfois défaillants. Je comprends que cette réduction d'impôt qui s'applique avec un bornage de temps vise justement à faire en sorte que je dis les maris, que les maris versent à leur ex-femme leur prestation compensatoire rapidement. Donc ma crainte, c'est que si on supprimait ce dispositif, ça désincite à verser rapidement. Donc pour ces raisons, je donnerai un avis plutôt défavorable, ou plutôt une demande de retrait, mais avec l'engagement qu'on va se pencher un peu sérieusement sur ce sujet-là, peut-être faire une évaluation. Je ne crois pas qu'il y en ait eu qui ait été conduite depuis le début des années 2000 où ça a été mis en place, et qu'à ce moment-là, on puisse, le cas échéant, dans le prochain PLF, prendre une décision. Mais je m'estime trop peu outillé pour expliquer que ça ne serait pas utile pour donner un avis favorable à la suppression de cette prestation. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur L'Aquila. Oui, j'entends bien, monsieur le ministre, mais il s'agit quand même d'un litige privé qui est réglé, certes, par la justice, et on demande aux contribuables français d'apporter sa contribution. On pourrait lui demander aussi, pourquoi pas, une ristourne fiscale ou une réduction d'impôt lors d'un mariage. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai bien entendu, je retire mon amendement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de le retirer? Très bien, je vous remercie. L'amendement est retiré.
Alors, sur l'amendement suivant, l'amendement numéro 556, je vous indique que je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Le Rassemblement National et donc que le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Pour la présentation de l'amendement, Monsieur Lotio. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». Alors, je vous propose pour cette reprise une petite parenthèse, peut-être pas enchantée, mais quand même, qui nous fera oublier un peu le quotidien, le contingent, autour de quelque chose qui peut tous nous rassembler, le patrimoine. Patrimoine, c'est ce qui a existé avant nous, c'est ce qui existera après nous. Et notre mission, finalement, c'est de pouvoir le préserver et le transmettre. J'y reviendrai à travers différents amendements, mais je commence par un sujet qui est un peu pointu, mais qui est assez essentiel, c'est le patrimoine mobilier. Patrimoine, c'est des monuments, mais c'est aussi le mobilier. Vous allez dans un monument vide, c'est un peu triste, et ça perd un peu de son intérêt historique et pédagogique. Alors aujourd'hui, il existe une réduction d'impôt de 18% sur la conservation et la restauration des objets mobiliers dans la limite de 20 000 euros. Cet amendement propose de passer à 50% en incluant l'acquisition, mais de garder la limite de 20 000 euros. Alors je sais, d'un côté, on va me dire, oui, mais le patrimoine, c'est les riches, etc. Et de l'autre, on va me dire, ça va coûter. Ça ne va pas coûter beaucoup. Et ensuite, ça sera de l'argent qui sera extrêmement bien dépensé, puisque ça sera quelque chose qui servira finalement à la transmission aux générations futures de tout le patrimoine historique qu'on a en France. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. J'y reviendrai. Il y a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. On parlera du mobilier, on parlera plus tard de l'immobilier. Mais c'est quelque chose pour rendre finalement, comme disait Baudelaire, la vie en beau. Et ça nous ferait du bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je crois que nous sommes probablement très nombreux à partager le souci de préserver notre patrimoine historique. Le problème de votre amendement qui n'a pas été voté par la Commission, d'abord, c'est qu'il triple les montants, ça a un coût, il élargit l'assiette, oui, légèrement, mais enfin triplé quand même. Il élargit l'assiette aux objets, à l'acquisition d'objets pour les monuments historiques. Et puis, il détourne un peu, c'est-à-dire que la question que nous devons nous poser, est-ce que l'argent public doit servir à aider un certain nombre de particuliers à acquérir des monuments historiques, ou est-ce qu'elle doit plutôt servir, favoriser le mécénat qui fait que le particulier aide l'État à acquérir des biens. Donc, ça n'est pas nécessairement incompatible, juste expliquer que nous préférons donc rester sur le dispositif actuel. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement ? Même avis pour les mêmes raisons. Je vous remercie. Monsieur Tanguy ? Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Je me permets d'insister sur cet amendement de mon collègue Lotio, qui, à mon avis, ne retient pas assez votre attention sur son intérêt pour la préservation de la culture française. Quand je travaillais avec le collègue Nicolas Dupont-Aignan, il y avait la restauration de la Villa Caillebotte, qui est une demeure de l'ancien peintre. Et il y avait une grande difficulté, les meubles, il y a eu une grande difficulté à retrouver les meubles d'époque et à reconstituer effectivement une maison qui corresponde à l'époque. Ils ont réussi avec leurs propres moyens et avec vraiment une vraie mobilisation d'une équipe, mais il y a un vrai enjeu de la préservation, notamment des meubles d'art et traditions d'art. Or, le patrimoine aussi, c'est aussi la transmission et le souvenir des hommes et des femmes qui ont exercé des métiers d'art, qui ont transmis un savoir-faire. Il y a un savoir-faire français, il y a un style français, il y a des savoir-faire qui ne doivent pas être oubliés. Or, et vous le savez, avec le développement notamment de l'Asie, des pays du Golfe, il y a, on ne va pas dire un pillage parce qu'on ne va pas être polémique, mais il y a une fuite des biens nationaux, des meubles, et je pense que l'État ne se préoccupe pas assez de la préservation de tout ce patrimoine qui, effectivement, ça ne fait pas la une des médias, mais c'est une perte de substance et c'est aussi une perte de nos territoires parce que, une fois de plus, c'est la mémoire incarnée de générations d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie à la beauté, à l'art français sous toutes ses formes et à des métiers manuels. Voilà. Donc c'est très important de garder chez nous, de garder sur le territoire français tous ces meubles, toutes ces traditions d'artisans d'art qui ont fait la beauté de la France. Je vous remercie, Monsieur Ziegenstuhl. Merci Madame la Présidente, chers collègues, une petite remarque qui n'est pas là pour polémiquer vis-à-vis de notre collègue Lotio. Au-delà des arguments qui ont été donnés par le rapporteur général, moi je crains qu'une telle disposition
ne pourra avoir qu'un effet inflationniste sur ce type de marché. Puisque à partir du moment où on va augmenter l'avantage fiscal, bien entendu que derrière, les gens qui seront aux manettes de ces marchés, on va augmenter les tarifs. Donc l'objectif, il est louable. D'ailleurs, je pense qu'on le partage de façon assez consensuelle sur ces bancs. Mais je pense que ce type de dispositif, en fait, pourra avoir un effet pervers. Voilà, de simples remarques et sans volonté de polémique, quelle que le soit. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement donc, qui fait l'objet d'une demande de scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 180, exprimés 179, majorité 90 pour 36, contre 143. L'Assemblée nationale n'a pas adopté l'amendement. La parole est pour l'amendement suivant, Madame Louwagie, pour le 404. Bonsoir, Madame la Présidente, merci. Cet amendement est relatif au même sujet, au sujet de dispositifs de protection des biens historiques et qui permet de déduire les dépenses liées aux travaux de conservation et de restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques. Et ce qu'il vous est proposé au travers de cet amendement, c'est d'aligner le régime des objets mobiliers inscrits sur celui des objets classés. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des conditions d'accès à cette déduction fiscale qui finalement sont assez contraignantes. Et rien aujourd'hui ne justifie un traitement fiscal différent pour les travaux entre les objets mobiliers classés et les objets mobiliers inscrits. Et l'extension qui vous est proposée ne représentera, compte tenu du faible nombre d'objets mobiliers privés inscrits, qu'un surcoût symbolique pour les finances publiques, puisque nous estimons à environ 14 000 le nombre d'objets mobiliers inscrits en main privée, qui sont détenus par des associations, sociétés ou personnes physiques. Je pense que ça contribuera à encourager les propriétaires à accepter la protection au titre des monuments historiques de leurs objets mobiliers. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, quelle est l'avis de la commission ? Oui, merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je peux comprendre votre objectif, mais je pense que là, on parle de deux choses qui sont assez différentes, puisque pour être classé aux monuments historiques, il faut une autorisation en bonne et due forme. Pour que les objets classés soient réparés, il faut également une autorisation bonne et due forme, alors que la simple inscription vient, elle, d'une déclaration préalable du propriétaire et d'une non-opposition de l'administration. Donc c'est un dispositif, si vous me permettez, beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, mais qui ne répond pas aux mêmes règles. Et donc si nous alignons les régimes de déduction, nous courrions le risque, un, d'augmenter considérablement la dépense et deux, d'orienter la dépense des monuments historiques classés vers les monuments qui sont simplement inscrits au patrimoine. Donc avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Pardon, même avis pour les mêmes raisons. Je vous remercie. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vais mettre cet amendement aux voix. Il a reçu un double avis défavorable au gouvernement commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous avons ensuite une série d'amendements identiques. Le premier, le 823, par Monsieur Valtou. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, cet amendement concerne aussi la fiscalité liée au patrimoine et notamment dans le prolongement de la loi Malraux et la valorisation qu'amène la loi Malraux. Vous savez que la loi Malraux donc, s'applique pour les sites patrimoniaux remarquables, mais par des évolutions législatives récentes, il y a derrière les sites patrimoniaux remarquables deux régimes fiscaux, l'un pour les quartiers qui sont classés en plan de sauvegarde de mise en valeur et l'autre pour les plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Ces deux nuances qui sont apportées par la mise en place de ces secteurs sauvegardés, mais qui impliquent des taux d'accompagnement qui sont différents, puisque les taux de réduction sur l'impôt sur le revenu sont de 30% pour les PSMV et de 22% dans les autres quartiers. L'amendement propose de unifier les taux de réduction dans l'ensemble des quartiers SPR au taux de 30%, un taux unique qui permettrait d'abord de rendre plus lisible ce dispositif.
d'améliorer et d'encourager la continuité de ce qu'apporte déjà la loi Malraux dans toutes les villes historiques, et puis aussi d'accompagner, puisque c'est un des objets qui est mis en valeur dans ces dispositifs, d'accompagner les plans Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain, qui veillent aussi à travers des dispositifs d'accompagnement des centres-villes à valoriser, en tout cas pour les communes concernées, la remise en état de leur patrimoine historique. Et donc c'est une proposition de simplification, de clarification et de lisibilité de ces dispositifs. Merci beaucoup. Je vous remercie. L'amendement suivant, le 2017, monsieur Lenné. Il n'est pas là, donc l'amendement 2017 n'est pas défendu. Pour le suivant, madame Pires-Beaune, pour le 2915, monsieur Baptiste. Oui, madame la présidente, au vu des arguments qui ont été présentés pour conserver ces patrimoines, je ne ferai pas de grand discours. Je vais simplement soutenir cet amendement à partir de ces arguments qui ont déjà été présentés. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. Monsieur Rébérod, pour l'amendement 3019, identique. Oui, madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, simplement, mêmes arguments que ceux de monsieur Valletoux, en insistant sur la nécessité d'un 50% en taux de réduction d'impôt pour les bâtiments dans nos centres urbains, qui sont vraiment dans des situations sanitaires ou de sécurité extrêmement compliquées. Il y a besoin vraiment de pousser les feux pour que ces bâtiments soient préservés dans le cadre des opérations Action Cœur de Ville ou dans le cadre des opérations Petite Ville de Demain. Et puis moi, j'avais une question à poser en complément à nos oppositions, c'est de savoir si, en dehors de voter tel ou tel amendement, ils ont ensemble coalisé un budget alternatif à celui du gouvernement. Ça m'intéresserait de savoir quel pourrait être le budget qu'ils porteraient en commun entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je vous remercie, madame Poussier-Winsbach, pour l'amendement 3024. Allez-y, oui, ma chère collègue. Oui, madame la présidente. Chers collègues, alors simplement. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame Poussier-Winsbach a la parole. Allez-y. Donc, ok, j'y vais. Simplement rajouter que ces dispositifs ont été travaillés avec notamment l'association, non pas Petite Ville de Demain, mais Centre Ville d'Art et d'Histoire et Pays d'Art et d'Histoire, et que c'est un travail de concertation avec cette association d'élus qui comprend un grand nombre de communes et de pays. Et donc, voilà, c'est une demande qui correspond vraiment à des attentes de cette association qui travaille beaucoup pour nous, notamment dans les centres-villes d'art et d'histoire. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission ? Oui, merci, madame la présidente. Écoutez, pour souligner un vrai sujet qui est effectivement l'adéquation de ce dispositif pour un certain nombre de petites villes qui aujourd'hui ne sont pas concernées. D'ailleurs, la Cour des comptes elle-même a souligné ce problème d'adéquation du Malraux pour ces petites villes. Mais la solution que vous apportez, me paraît un peu coûteuse. Alors, vous connaissez mon penchant pour essayer de respecter notre ligne de déficit. À la fois, vous augmentez le taux de 22 à 30% et vous créez un taux supplémentaire à 50%, donc avec un coût important et significatif. Non, je crois que la solution, d'ailleurs c'est ce que dit la Cour des comptes, est dans la cohérence de l'ensemble des subventions que peuvent mobiliser ces villes, dans le cadre, vous l'avez dit, d'Action Cœur de Ville, les subventions de l'ANA, Petite Ville de Demain. Donc c'est l'ensemble de ces subventions qui doivent amener au résultat que vous préconisez. Mais je ne crois pas que ce soit un coût fiscal supplémentaire qui permettrait d'y arriver. Avis de retrait ou défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? Oui, merci, madame la présidente. Le Malraux, qui permet une réduction d'impôt pour l'investissement locatif, a deux volets, le volet quartier ancien dégradé et le volet monument historique. Il se trouve que le volet monument historique court encore pendant un an jusqu'à la fin 2020.
2023, là où le volet quartier ancien dégradé s'arrête théoriquement à la fin de l'année 2022. C'est la raison pour laquelle je serai favorable à l'amendement 3345 de M. Jolivet qui permet de prolonger le volet QAD, quartier ancien dégradé, d'un an, ce qui fait qu'on aura la même durée et le même bornage pour les deux volets entre quartier ancien dégradé et monument historique. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, ces deux volets du Malraux arriveront à échéance en même temps, dans un an, à la fin 2023. Et dans l'année qui vient, il est prévu une évaluation de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, avant de revoir les taux et de éventuellement les faire bouger, je souhaiterais qu'on attende cette évaluation, d'autant qu'il y a des doutes assez sérieux, en tout cas des questionnements qui se posent sur une redondance entre Malraux ou une partie du Malraux et le De Normandie qui vise aussi plus ou moins aux mêmes objectifs dans un certain nombre de centres-villes. Donc voilà, moi je propose déjà qu'on prolonge le volet quartier ancien dégradé d'un an. On aura les deux volets monuments historiques quartier ancien dégradé qui arriveront à échéance en même temps à la fin de l'année prochaine. D'ici là, il y a une évaluation qui est prévue. On regarde si c'est trop redondant ou pas, s'il y a lieu de faire évoluer les taux pour que ça soit plus efficace. Moi, j'y suis assez ouvert. Et ensuite, on décide en PLF 2024. C'est ma proposition. Donc défavorable, plutôt demande de retrait à ces amendements au profit de l'amendement 3345 de M. Jolivet. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Sansu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un sujet important pour la revitalisation de nos centres-villes et nos centres-bourgs dans le cadre des dispositifs Action Cœur de Ville et PVD, Petites Villes de Demain. Le problème, c'est que, comme l'a dit Monsieur le Ministre, tout le monde n'est pas dans les quartiers Malraux monuments historiques. C'est même une minorité, puisque les PNR CAD ont concerné beaucoup plus de collectivités que les sites patrimoine remarquables ou les autres dispositifs. Et donc, je trouve pour ma part que la question, c'est comment on fait pour absorber le déficit foncier pour reconquérir les immeubles anciens dans nos quartiers. Aujourd'hui, un des sujets majeurs dans Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain, ça va être de trouver les outils fonciers avec les dispositifs pour absorber les déficits fonciers. Parce qu'il y a un certain nombre de collectivités où le marché n'existe pas, très clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'équilibrer les opérations avec le marché. Donc, je pense pour ma part que ce ne serait pas un bon signe que de donner uniquement aux quartiers monuments historiques cette défiscalisation supplémentaire. Et surtout, j'invite le gouvernement, hors PNR CAD, donc hors Malraux, à trouver des dispositifs pour qu'on puisse reconquérir nos centres-villes et nos centres-bourgs et reconstruire la ville sur la ville. Merci. Je vous remercie. La parole est à M. Lotio. Monsieur le ministre, je trouve que c'est un moment important dans la mesure où on a véritablement des merveilles parfois dans nos centres anciens, etc., et qui souffrent d'une absence de rénovation, une absence de prise en compte. Et on se rend compte aussi que ce qui peut freiner parfois tout cela, c'est un problème de connaissance des dispositifs ou de complexité des dispositifs. Donc tout ce qui va dans le sens de la simplification, à mon sens, doit être soutenu. Et on est vraiment sur un débat important. Et je voulais juste dire que j'entends parfois, je viens d'entendre ce débat un peu pollué par des petites considérations politiciennes de certains. Ça me rappelle, vous savez ce que disait Monterland dans La Reine Morte, vous êtes petit et vous rapetissez tout à votre image. Monsieur Valtou. J'ai un problème de micro. Merci Madame la Présidente, ce soir ça vient. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre de vos explications très claires et de votre l'expression de votre intention de reprendre l'amendement Jolivet. Je voudrais simplement vous rassurer, monsieur le rapporteur, c'est quand même des dispositifs qui restent à la main des architectes des bâtiments de France sur les périmètres. Et donc, unifier les taux de réduction d'impôts, c'est une chose, ça aurait permis de clarifier ce dispositif dans des périmètres qui, de toute façon, restent dans leur définition, sous l'autorité de l'État. Mais néanmoins, je comprends les arguments de calage de calendrier et de cohérence des calendriers. Et donc, je retire mon amendement. Je vous remercie. Le 2017 n'était pas défendu. Monsieur Rebrotte. Je retire l'amendement au vu du projet qui est celui de Monsieur le Ministre, mais il faut garder quelque chose de spécifique pour nos centres historiques et leurs grandes difficultés. Je vous remercie. Monsieur Le Fur, vous vouliez intervenir ?
j'entends le propos du ministre qui nous explique qu'il va prendre l'amendement de notre collègue Jolivet, très bien, et le Malraux va être prolongé jusqu'en 23. Simplement, le Malraux, qu'il s'agisse de monuments historiques ou de quartiers entiers, c'est des opérations très lourdes et très longues. Les opérations qui sont envisagées aujourd'hui, c'est pour des années, voire des dizaines d'années. Donc ne nous faisons pas d'illusions entre le moment où on achète, le moment où on fait les travaux, le moment où on commence les opérations immobilières. Donc il faut donner de la visibilité quand on est dans le monument historique. Ce sont des affaires très longues en termes de calendrier. Merci. Madame Poussier-Winsbach. Je vais retirer mon amendement, Madame la Présidente, au regard de ce que Monsieur le Ministre vous a indiqué, et notamment le souci d'évaluation et de simplification. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Je vous remercie. Il me reste l'amendement qui avait été présenté par Monsieur Baptiste, Madame Pires-Beaune, pour le 2915. Oui, nous aussi, nous allons retirer l'amendement au profit donc de celui de Monsieur Jolivet. Pourquoi ? Je vous remercie. Donc tous les amendements identiques ont été retirés. Donc l'amendement de Monsieur Jolivet, le 3345. Allez-y, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général. J'aurais dû d'ailleurs commencer par Monsieur le Ministre et le remercier d'avoir indiqué qu'il était favorable à l'amendement que lui présente le groupe Horizon et apparenté afin de pouvoir proroger le dispositif Malraux et également le dispositif de Normandie. À ceci près, bien entendu, qu'il y aura une évaluation de ces deux niches fiscales. La première date de 62 ans. Et je crois qu'elle a fait ses preuves. La seconde, il faudra regarder quels sont, dans les faits, ses effets immédiats sur le territoire. Dire également à mon collègue Nicolas Sansu que nous sommes assez heureux qu'il cite les dispositifs Petite Ville de Demain et Action Cœur de Ville, parce que l'objectif a été de faire en sorte que les villes moyennes puissent bénéficier de dispositifs. S'il y a besoin de les renforcer, eh bien, je pense que le gouvernement y est ouvert, comme l'a dit Monsieur le Ministre. Et également, passer un message au ministre en disant que si vous évaluez les fonctionnements de ces deux niches fiscales, je pense que vous trouverez renfort de parlementaires si vous souhaitez les associer. Je vous en remercie. Message reçu. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, chers collègues, Jolivet, moi aussi, je suis favorable. Alors, à titre personnel, puisque l'amendement n'a pas été vu en commission des finances, mais on pourra nous accuser de tout ce soir, mais pas de manquer de cohérence. Et je crois que ce que nous en faisons depuis maintenant un certain moment, c'est à la fois le bornage et à la fois l'évaluation avant de penser à proroger les dispositifs. Donc, favorable pour votre amendement et évaluation l'année prochaine de l'ensemble des dispositifs Malraux. Monsieur le ministre. Avis favorable. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement qui vient de recevoir un double avis favorable commission-gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement suivant, le 332, Monsieur Delaporte. Delaporte, excusez-moi. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement proposé par notre collègue Jérôme Guedj vise à l'excellent Jérôme Guedj vise à faire rentrer dans le droit une des propositions, notamment faite par Caroline Fiat dans la mission Flash l'an dernier, sur lors du scandale Orpea, dont nous nous souvenons tous et toutes tristement. Il s'agit de mettre fin à une niche fiscale qui incite à l'investissement dans les EHPAD privés à but lucratif, où on l'a constaté, le bon accueil n'est pas forcément toujours assuré. Et donc cette niche favorise par ailleurs le développement peu coordonné des EHPAD privés sur le territoire, avec donc les excès que nous avons connus. C'est pourquoi nous espérons que cette recommandation pourra être adoptée par l'Assemblée. Et je préciserai juste que l'article du Code général des impôts qui est visé arrive à fin 2022 à échéance, donc il n'aura plus d'objet. Normalement, cette niche fiscale devrait s'éteindre d'elle-même. Mais nous avions préféré déposer ces amendements afin d'anticiper une prolongation par cette Assemblée en vérifiant que la niche fiscale ne s'appliquerait plus aux EHPAD privés à but lucratif. Voilà l'objet de cet amendement que nous espérons que vous soutiendrez. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, votre avis ? Merci, la Présidente. Écoutez, chers collègues, c'est
amendement un peu bavard, si je puis ainsi m'exprimer, puisque le dispositif s'arrête de lui-même à la fin d'année, donc ça ne sert à rien de le voter. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, je vous confirme que le Sancy-Bouvard s'arrête à la fin de l'année et que nous avons décidé de ne pas le prolonger. Et donc, votre amendement est satisfait et sans objet. Je vous remercie. Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, je vais venir en soutien à cet amendement et rendons à César ce qui est à César. Je remercie le collègue Delaporte de m'avoir cité, mais j'avais fait ce rapport avec Véronique Amrère et Isabelle Valentin et je voulais qu'elles soient aussi citées. Et c'est vrai que c'était une de nos préconisations et je suis heureuse d'entendre que le gouvernement, enfin, entend une préconisation dont je fais partie. Il en reste 31 dans le rapport Fiat, monsieur le ministre. Juste en précision, il en reste 31, mais au moins une préconisation entendue, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai juste envie de vous dire, il était enfin temps. Je vous remercie. Madame Thérèse Beaune. Oui, merci Madame la Présidente. Donc nous allons retirer l'amendement, mais juste une précision pour Monsieur le Ministre et pour le rapporteur général. Quand nous avons déposé cet amendement, nous ne savions pas s'il n'y aurait pas d'amendement pour prolonger la niche fiscale, comme l'amendement que nous avions voté l'année dernière pour la prolonger d'un an. Amendement d'ailleurs pour lequel nous avions déjà voté contre. Voilà pourquoi cet amendement était là et nous le retirons. C'est noté. Merci beaucoup, ma chère collègue. L'amendement suivant. Le 1327 peut être présenté également avec le 1326, Monsieur Dunoyer. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, donc ces deux amendements, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, ont pour ambition de montrer que le dispositif Pinel, s'il fonctionne en métropole et en Outre-mer, ne fonctionne pas dans les collectivités du Pacifique, qui sont, en plus d'un statut d'autonomie fiscale, avec une distance et une incertitude liées pour certains à leur évolution institutionnelle qui ne sécurise pas les investisseurs. Et aujourd'hui, on sait, avec suffisamment de recul, que le dispositif Pinel ne produit pas d'effet incitatif à l'acquisition et à la construction de logements dans ces territoires. Donc ces deux amendements proposent, avec deux taux différents, d'avoir finalement la même logique que celle qui avait été appliquée au moment de la CELIER, puisque de la même manière, avec ce dispositif, il y avait un taux de réduction d'impôt qui était celui de l'Hexagone, et puis une majoration pour les départements, et puis une majoration supplémentaire pour ces collectivités afin de tenir compte de leur éloignement et de leur situation fiscale et institutionnelle compliquée pour attirer un peu plus les investisseurs. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur Général, sur ces deux amendements. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je crois, je peux me tromper, mais que votre amendement ne fait pas ce que vous avez présenté. Votre amendement modifie les taux du cellier et le cellier n'existe plus. Donc je pense que c'est un problème de rédaction, donc retrait. Monsieur le ministre. Oui, au-delà des arguments juridiques rédactionnels du rapporteur général, moi je veux insister sur le fait que je vous ai indiqué tout à l'heure qu'avec mon collègue Carinco, nous avions trouvé un accord pour avoir une revue des dépenses fiscales outre-mer, notamment dans le secteur du logement, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui manifestement viennent alimenter des intermédiaires et pas totalement bénéficier aux usagers. Donc il va falloir revoir ça. On s'est engagé à le faire cette année. Et donc pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement puisque ça fait partie des sujets qu'on va regarder cette année. Monsieur Dunoyer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Ministre, effectivement, on a pris cet engagement ensemble de revoir l'intégralité des dispositifs de défiscalisation outre-mer en 2023. Et compte tenu de la perfectibilité de la rédaction de ces amendements, je vais les retirer aussi. Je vous remercie. C'est noté. L'amendement suivant va nous être présenté par Madame Piron. Il s'agit de l'amendement 1447. Il est défendu. Monsieur le Rapporteur Général, défavorable, Monsieur le Ministre. Défavorable. Je le mets aux voix directement. Double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Et moi. L'amendement 425, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a un des signataires ? N'est pas défendu, pas plus que le 426. Madame Calvez pour l'amendement 2170. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission et Monsieur le Rapporteur Général.
Vous parlez de mécénat. Le mécénat, c'est une possibilité pour les associations, notamment, de pouvoir compléter leurs ressources, que ce soit celle des adhésions ou des subventions publiques. Et donc, cette politique de mécénat permet à ces associations de faire bénéficier à leurs donateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, d'une déduction fiscale lorsque ces associations répondent à des missions, mettent en œuvre des missions d'éducation, de sport, de culture. Tout ça est très bien défini aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Or, on peut avoir eu des jurisprudences différentes d'appréciation des associations qui pouvaient bénéficier de ce droit, notamment des têtes de réseau ou en tout cas des regroupements d'organismes publics qui concourent de manière indirecte mais cruciale à ces actions et ces missions. Parfois, elles se voient reconnaître le droit de donner ce pouvoir de déduction à leurs donateurs et puis parfois, même pour les mêmes actions, elles ne le font pas. C'est le cas notamment de la COFAC qui regroupe 40 000 associations culturelles, donc présentes sur l'ensemble de nos départements, qui ne peut offrir la possibilité à ses mécènes de pouvoir profiter de cette déduction fiscale. Or, ce type de fédération œuvre complètement au profit des associations culturelles et donc des missions d'éducation, de culture, de sport ou de protection de l'environnement auxquelles elles contribuent. Parce que nous voyons bien que les associations, et vous avez été tous, à mon avis, saisis, elles passent de plus en plus de temps à faire de la veille juridique, à remplir de nombreux dossiers. Et ces fédérations, ces regroupements d'organismes d'intérêt général leur permettent de faire gagner un temps précieux tant qu'elles vont réinvestir auprès des actions, au plus près des concitoyens. Et ça, pour cela, il faudrait éclairer de manière explicite dans les articles 200 et 238 bis la possibilité pour ces regroupements d'organismes d'intérêt général à bénéficier du soutien fiscal du mécénat. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général. Merci, chers collègues. On connaît votre engagement et votre passion sur ces sujets de culture. À ma connaissance, le mécénat est applicable. Ces organisations de coordination dont vous parlez sont combinées avec également des fonctions, des activités qui sont éligibles. Donc, quand c'est strictement séparé, ça n'est pas éligible. Donc, je ne vois pas de raison aujourd'hui de modifier cette jurisprudence. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, merci, madame la présidente. Madame la députée Calvez, je veux saluer votre engagement en faveur du monde associatif et de la culture. Et vous mettez en avant un sujet qui est un vrai sujet, qui est la capacité pour les associations à bénéficier de dons, de mécénat, qui ouvrent droit à déduction fiscale. Je suis assez embêté, en fait, sur ce sujet, parce que ce qu'on me dit... Comment ? Ça se sent, ouais. Non, ce qu'on me dit, c'est que pour une tête de réseau associative qui reçoit un don qui est fléché pour une association membre de ce réseau associatif, ça ouvre droit à déduction fiscale. Donc manifestement, le problème, c'est quand une tête de réseau veut recevoir des dons sans que ça soit fléché vers une association membre du réseau directement, là, il n'y a pas de déduction fiscale possible. En plus, vous avez cité un exemple qui est la COFAC, que je connais bien. D'ailleurs, je veux rendre hommage à l'action de la COFAC, de Marie-Claire Martel, qui est un très beau réseau associatif. Et en même temps, si on prend cette décision, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord sur d'autres situations. Donc moi, je prends vraiment l'engagement de travailler sur ce sujet-là et de clarifier la doctrine fiscale s'il le faut. Mais on dispose trop peu d'évaluations pour accepter cet amendement. Donc demande de retrait. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Calvez. Merci d'avoir proposé et indiqué que c'était une question sur laquelle s'engager et à apprécier. Donc merci, je retire cet amendement. Je vous remercie. Alors nous avons ensuite une série d'amendements identiques pour lesquels, donc pour le 31-32, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe La France Insoumise, par le groupe Les Républicains et le groupe Écologiste. Donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Donc amendement, le premier est un amendement 31-32 présenté par monsieur le rapporteur général. Merci madame la présidente, cet amendement a été adopté contre l'avis du rapporteur général, donc je propose peut-être à madame Bonivard de le présenter à ma place ou à quelqu'un d'autre, à monsieur Le Fur peut-être. Alors, permettez bien la présidente.
Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur Le Fur, c'est vous qui vous y collez ? Oui, merci, madame la présidente. L'agribashing, ça existe. Et nos agriculteurs, nos éleveurs en souffrent. Quand il s'agit de propos, quand il s'agit d'attaques verbales, c'est la liberté d'expression, on n'a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'on peut répondre. Mais certains font profession de s'introduire dans les élevages, généralement de nuit, pour filmer et ensuite diffuser des images sur les réseaux sociaux, assorties de commentaires, assorties bien souvent de musique inquiétante, et pour complètement caricaturer ce qui se passe dans nos exploitations agricoles. Une exploitation agricole, ce n'est pas une usine, c'est la prolongation d'un domicile. Je me suis rendu chez des agriculteurs qui ont été confrontés à ce sujet. C'est les enfants qui sont à côté, c'est les parents qui sont à côté, c'est toute une communauté qui se sent agressée. Ceci a dépassé certaines bornes il y a quelques semaines de cela, au printemps, où on a vu un train entier de céréales ouvert, déchargé dans les fossés. C'est du grain, c'est de la farine, c'est du pain. C'est ça, un train de céréales. Hein. Alors, la question que je me suis posée, est-ce que ces associations qui s'identifient elles-mêmes, hein, je ne les dénonce pas puisqu'elles s'identifient elles-mêmes dans leur message, en particulier L214, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'elles bénéficient d'argent public, ces associations ? Oui, elles bénéficient d'argent public, aussi surprenant que ça puisse paraître, via les dons qui leur sont accordés par des particuliers. Un particulier qui fait un don à ce type d'association a les mêmes avantages que lorsqu'il donne à la Croix-Rouge, aux petits frères des pauvres. Mais L214, ce n'est pas les petits frères des pauvres, mes chers collègues. C'est tout à fait autre chose. C'est une autre logique. C'est une logique qui s'agit de leur vocation est d'attaquer et de mettre en cause des gens qui font honnêtement leur travail, qui sont confrontés à une réglementation déjà très exigeante et qui, malgré tout, subissent de ces contraintes en plus. Alors, l'idée de cet amendement, c'est très net, c'est de supprimer ce dispositif fiscal. C'est pour L214 sur 5 ans, 20 millions d'euros, c'est leur compte. Hein. Merci beaucoup pour l'amendement numéro 180. Est-ce que quelqu'un défend l'amendement 180, Madame Bonivard ? Oui, c'est le même amendement que mon collègue Marc Le Fur. Alors, il ne s'agit pas de nous opposer, bien évidemment, aux lanceurs d'alerte ou à des gens qui alertent sur de la maltraitance animale. Non, pas du tout, chers collègues, pas du tout. Nous partageons évidemment le souci du bien-être animal, notamment dans les exploitations agricoles françaises qui ont un modèle familial. C'est quasiment le seul en Europe. Donc essayons de le maintenir, en sauvegardant une agriculture familiale et en cessant d'agresser nos agriculteurs. La question, c'est est-ce qu'on finance avec de l'argent public des associations dont les ressorts se rendent coupables de délits. C'est tout. Moi, je suis désolée, la violence n'est pas un moyen d'action et de revendication, même si la cause, même si chacun a le droit de revendiquer ses idées. Moi, je ne peux pas accepter qu'on jette du sang sur des magasins qui sont des boucheries, qui sont des magasins, des commerces autorisés. Ce n'est pas acceptable comme moyen d'action. Donc soit les structures changent leurs moyens d'action et nous pouvons revenir à un crédit d'impôt, soit elles ne le font pas, mais nous ne pouvons pas financer avec l'argent des contribuables, avec de l'argent public, des associations dont les ressortissants se rendent coupables de délits. Je vous remercie. Madame Louwagie, pour l'amendement 274. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement équivalent et je vais... Vous livrez un témoignage que j'ai vécu dans ma circonscription, dans une commune qui s'appelle le Normandelle. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2019, un agriculteur, éleveur, avait préparé ses poulaillers qui devaient accueillir des volailles dans quelques jours. Donc les poulaillers étaient paillés sans poules. Un incendie s'est déclaré suite à des intrusions de personnes cagoulées dans ses poulaillers. Des traces d'essence ont été retrouvées. Et je peux vous dire, mes chers collègues, qu'il y avait, à 100 mètres de ces trois poulaillers, une cuve de gaz
qui était pleine du gaz pour pouvoir chauffer ses poulaillers. Et la maison d'habitation des éleveurs était de l'autre côté à 100 mètres. Je vous laisse imaginer ce à quoi nous pouvons tous penser. Des inscriptions, je vous cite les inscriptions sur les poulaillers, figurées le lendemain. Assassins, camp de la mort. Je peux vous dire, je les ai vus, j'y suis allée dès le lendemain, soutenir ces éleveurs. Et cet éleveur avait déjà été victime d'agri-bashing. Son élevage est publié sur une liste d'élevages pointée du doigt par les associations militantes. Voilà, donc je crois que nous ne pouvons pas soutenir des actes volontaires d'extrémistes anti-élevage. Et je crois que nous sommes responsable des deniers publics, je crois qu'il faut que nous soutenions la générosité qui existe. Nous avons énormément de générosité qui existe au niveau des associations qui viennent en soutien des personnes, des biens, à des personnes plutôt en difficulté. Et donc nous devons soutenir cette générosité, mais elle ne peut pas s'établir dans ces conditions. Nous ne pouvons pas accepter que des associations qui se livrent à des actes de malveillance, des agressions, des infractions, soient financées par des deniers publics. Je crois que nous sommes responsables des deniers publics. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes garants de l'utilisation de ces deniers publics et comment nous pouvons protéger cette générosité? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour l'amendement 714, est-ce qu'il y a un signataire? Madame Valentin, Madame Frédéric Meunier, Bazin Malgras? Non, donc il n'est pas défendu. Le 871, Madame Corneloup, non plus. Le 1082, Monsieur Le Fur, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, très brièvement, pour dire que non seulement les agriculteurs, mais comme l'ont parfaitement dit mes collègues, les bouchers sont également victimes de ce type d'agression. En fait, c'est toute la filière de l'élevage et de la viande qui est attaquée. Ne soyons pas naïfs. Il y a des militants très engagés, mais derrière tout ça, il y a aussi de très grands intérêts. Un certain nombre de gens qui veulent transformer la consommation alimentaire de nos compatriotes, qui investissent dans des viandes de synthèse, qui existent, qui se développent et qui concourent. Donc la nécessité pour eux, c'est de discréditer l'ensemble de la consommation carnée. Ne laissons pas, ne soyons ni complices, ni naïfs. Je vous remercie. Et pour le dernier identique, le 2956, Monsieur Breton. Ah, j'ai loupé Madame Dalloz. Excusez-moi, Madame Dalloz. Je suis gentille, allez-y. Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Non, simplement, moi, je voudrais rajouter à ce qui a été dit, parce que j'ai entendu en commission, notamment sur certains bancs, pas sur l'ensemble des bancs, il y a un banc, notamment chez LFI, on nous a taxé de vouloir faire taire les lanceurs d'alerte. Mais ne mélangez pas tout, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas en train aujourd'hui de faire le procès des lanceurs d'alerte. Il y en a qui ont été d'ailleurs très utiles, je suis désolée de vous le dire. La réalité, mesdames et messieurs, que vous vouliez l'entendre ou non, c'est que dans l'amendement, il est bien stipulé retirer l'avantage fiscal uniquement pour les associations ou les adhérents de ces associations qui avaient été reconnus coupables. C'est-à-dire que quand la justice est passée par là et qu'elle a rendu un verdict de culpabilité, un jugement de culpabilité, eh bien, il est normal que l'argent public des Français, des concitoyens, de l'ensemble de nos concitoyens modestes ne serve pas à financer des actes délictueux. Merci. Et donc, Monsieur Breton. Oui, merci, Madame la Présidente. Je crois qu'effectivement, comme le disait notre collègue Le Fur, il ne faut pas être naïf. Nous avons affaire à des stratégies organisées de combat, de lutte, alors qui sont soit intellectuelles, c'est une chose, mais qui parfois peuvent prendre des formes physiques d'intimidation, voire même de délit. J'en veux pour preuve l'abattoir dans le département de l'Ain, dans le Val-Romais, on attend toujours les résultats de l'enquête, mais dont on sait que ce sont effectivement des idéologistes radicaux qui sont à la manœuvre. La question, ce n'est pas simplement de ne pas être naïf, c'est de ne pas être complice. Il faut être respectueux, bien entendu, des libertés, la liberté d'association, etc. Mais la complicité, elle se fait à travers, effectivement, des avantages fiscaux qui sont faits d'un côté, qui servent à financer des mesures qui vont à l'encontre des modèles économiques et sociaux que nous voulons. Oui, nous voulons
soutenir nos éleveurs. Oui, nous voulons les soutenir face aux écologies radicales qui visent à interdire aujourd'hui l'élevage de viande, à interdire la consommation de viande. Donc c'est un choix de civilisation que nous assumons. Et alors soit on l'assume par des biais violents, effectivement d'agression, d'intrusion dans les abattoirs, voire même d'incendie, soit on l'assume par le biais pacifique qui consiste à dire, et c'est la société qui dit très clairement, nous sommes de ce côté-là pour que vous continuiez vos activités, que vous continuiez à les améliorer en termes de conditions, de bien-être animal, etc. Il n'y a aucun souci pour faire, mais nous refusons les idéologies radicales. Donc c'est vraiment un choix de civilisation qui se fait à travers ces amendements. Je vous remercie. Donc tous les amendements identiques ont été présentés. Il y a un sous-amendement, le 3552, qui le présente, Monsieur Tanguy. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Écoutez, nos collègues LR ont très bien défendu, d'ailleurs c'est leur amendement, il faut leur rendre hommage sur ce travail, ont très bien défendu cet amendement et les enjeux. Moi je suis aussi élu d'un département comme beaucoup de collègues du RN rural. Nous sommes face à un effondrement de la filière de l'élevage, voire une disparition de la filière de l'élevage français. Et le comportement de certains élus de la NUPES favorise cet effondrement, car vous découragez par le harcèlement et les mensonges que vous colportez. Vous allez arriver au contraire de votre objectif. L'agriculture, comme a dit Mme Bonivard, l'agriculture familiale française est un modèle pour le monde, à la fois de productivité et de respect de la nature et des animaux. Et vous êtes en train de le faire disparaître au profit de modèles que nous combattons tous et que nous devrons tous combattre. Donc dans votre aveuglement, Madame Rousseau, oui vous, dans votre aveuglement, Madame Rousseau, vous allez emporter le meilleur de l'agriculture mondiale. Bref, il est quand même ahurissant. Est-ce que vous pouvez en venir au sous-amendement? Allez-y. Madame la Présidente, excusez-moi. Il est ahurissant que dans cet hémicycle qui fasse la loi, certains estiment qu'être condamné par la justice ne mérite pas une sanction. C'est surréaliste. Vous n'avez pas décidé ce qui est bel et bon. On y reviendra. T'inquiète pas, on y reviendra. Donc, par bonne foi et pour vous confronter à vos responsabilités, ce sous-amendement vise à éviter la mauvaise foi dont fait preuve les élus de la NUPES depuis quelques jours en nous harcelant, nous et les LR, sur les réseaux sociaux, en précisant bien les choses. Ce sous-amendement dit une intrusion violente ou une intrusion qui fait des dégradations. Donc comment un seul député de cet hémicycle pourrait cautionner, quelle que soit la cause, une intrusion violente ou qui dégrade une propriété privée de bons Français et Français qui font leur travail? Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Il est drôle de remarquer que statistiquement, c'est à peu près à cette heure-là que l'hémicycle s'échauffe. Et si on pouvait partir ce soir à minuit encore copains, ce serait plutôt pas mal. D'abord, élu d'un département rural, je connais la passion des agriculteurs, à la fois pour leur métier, à la fois pour leurs bêtes. Et je les défendrai toujours, et je condamnerai toujours avec la plus grande fermeté l'agribashing qui est absolument insupportable. Et je serai au premier rang pour condamner l'agribashing. Ceci dit, je ne crois pas que cet amendement soit la bonne réponse. Je ne crois pas que cet amendement soit la bonne réponse. Et pour quelques raisons que je vais essayer de vous expliquer, alors c'est à titre personnel, hein, puisque la Commission des finances a adopté cet amendement, je précise simplement. La première, c'est que l'arsenal juridique existe déjà. L'arsenal juridique existe à la fois pour condamner les individus, à la fois pour condamner les individus en cas de trouble à l'ordre public, et l'arsenal juridique existe également à l'encontre des associations qui peuvent être condamnées de troubles publics. Chers collègues, vous aurez la parole en temps si Madame la Présidente vous la donne. Donc, les associations peuvent également être
dissoutes, les associations peuvent également être condamnées à ne plus recevoir de crédit d'impôt. Ça existe aujourd'hui, c'est possible dans l'arsenal juridique. Deuxième élément, c'est que l'amendement tel qu'il est écrit est assez flou, si vous me permettez. Comment qualifier l'intrusion? Comment qualifier la violence? Ensuite, comment, quand vous dites les associations dont les adhérents sont reconnus coupables, les associations dont les adhérents sont reconnus coupables, est-ce que ça veut dire que si un adhérent est condamné, c'est toute l'association? Il suffirait simplement que la personne qui a fait ces actes violents sorte de l'association aussi simplement qu'elle y est rentrée. Donc on ne peut pas considérer qu'une association ne serait condamnée que quand l'ensemble de ses adhérents serait condamné. Enfin, vous voyez, je pense que cet amendement, je le prends plus pour comme un message, un amendement symbolique, mais en aucune manière un amendement qui peut se substituer aux décisions de justice. Donc avis défavorable. Allez, s'il vous plaît, on s'écoute. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Bien, c'est un amendement effectivement de la Commission des Finances, mais une fois n'est pas coutume, je vais me retrouver derrière l'argumentaire du rapporteur de la Commission. J'aimerais, à travers l'intervention que je vais faire, parce que c'est une chose sérieuse, il y a eu une majorité en Commission. Bon, s'il y a eu une majorité en Commission, ça veut dire qu'y compris des collègues de la majorité ont voté pour cet amendement, et j'aimerais les convaincre, mais aussi, Madame Louvagie, écoutez-moi, mais aussi, pourquoi pas, les collègues des Républicains qui ont proposé cet amendement pour montrer en quoi on ouvre une boîte de Pandore à travers ça. Bien. Moi, je considère que notre démocratie, c'est une démocratie qui, peut-être parce qu'elle est née d'une révolution, inclut évidemment le droit de manifester, inclut le droit de faire grève et inclut une certaine forme de désobéissance civile. Bien évidemment. Mais vous pouvez redevenir pacifique, vous pouvez écouter une parole sans faire ce que vous reprochez aux gens que vous voulez condamner à travers cet amendement. C'est quand même paradoxal, cette violence dont vous faites partie. Est-ce qu'il est possible d'entendre un argument? D'accord? Oui, je vous le dis. Et c'est un bien quand vous allez réfléchir que ça peut concerner beaucoup d'associations et de syndicats, y compris de ceux dont vous vous sentez proche. C'est un bien qu'une certaine forme de désobéissance civile soit reconnue dans notre démocratie comme légitime. Je vais continuer malgré les cris qui, franchement, m'étonnent par rapport à l'agressivité et l'intolérance et qui m'inquiètent sur le niveau. Je vais continuer. Bien évidemment... Franchement. Allez, écoutez-moi deux secondes, s'il vous plaît. C'est un débat qui est important, qui est vif. Je prendrai plusieurs interventions dans les différents groupes, mais on écoute d'abord Monsieur le Président de la Commission des Finances, puis le gouvernement, et j'ai un certain nombre d'intervenants que j'ai notés, donc je donnerai largement le débat. Entendre qu'il est une provocation de dire que dans notre démocratie, certaines formes de désobéissance civile et pacifique font partie de notre démocratie m'inquiète. Mais qu'importe. C'est pas parce que certaines personnes parlent fort que ça signifie qu'elles ont l'accord de tous les gens qui se taisent ici. Donc je vais parler aux gens qui m'écoutent. Et très franchement, ceux qui font étalage de leur voix très très forte ne m'impressionne pas. Donc je vais parler aux gens qui m'écoutent, y compris dans la majorité, parce que je sais que des gens m'écoutent. Bien évidemment, ça a des limites. Et ces limites, c'est la justice qui doit trancher quand elles sont atteintes. Elles doivent trancher en fonction de quoi? D'une enquête qui va déterminer, par exemple, qui sont les adhérents. Est-ce qu'ils peuvent se revendiquer de l'association? Quelle est la gravité des faits par rapport à la cause défendue, etc. C'est la justice qui passe et qui, à certains moments, prend des décisions. Ici, est-ce que nous avons affaire à des associations dont, on me disait, ce n'est pas des lanceurs d'alerte. Mais chacun, quiconque a regardé à peu près ce que font ces associations, sait qu'à certains moments, elles ont effectivement révélé des informations sur des maltraitances que plus personne ici ne peut supporter. Je vous donne un exemple. L'écrasage de poussins vivants, par exemple. Le fait que, bien évidemment, et je sais qu'il y a plein de collègues ici pour qui ça atteint une certaine limite. Et ce sont ces associations qui, très souvent, les ont révélées.
Donc il y a eu à un moment donné des actions, il y a des actions par rapport à quelque chose qui est une information sur un taux qu'on ne tolère plus parce que les uns et les autres, on ne tolère plus la maltraitance animale. Je vais venir au fait de montrer pourquoi c'est une boîte de Pandore, y compris je m'adresse à Marc Le Fur. Bien. Aujourd'hui, il peut y avoir peut-être une majorité qui estime que ce sont ces actes de désobéissance civile et disons aux limites de la légalité, les dépassant parfois à certains moments, il n'y a pas de problème, et il faut que la justice passe, qui sont insupportables. Mais méfiez-vous, vous ouvrez une boîte de Pandore. Parce qu'à partir du moment où vous estimez qu'au nom de ces actes, vous allez en réalité condamner ces associations en tarissant leurs revenus. Demain, une autre majorité peut considérer que ce ne sont pas ces associations qui doivent être condamnées, mais par exemple, des syndicats agricoles qui, par exemple, s'en prennent à la préfecture de Morlaix en saccageant cette préfecture il y a quelques années. D'accord ? Des adhérents, je précise, des adhérents, où il n'y a pas très longtemps qui ont saccagé la devanture et le local de la Fédération nationale de l'environnement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces associations, ces syndicats agricoles, dont peut-être que certains se sentent proches ici, je ne suis pas pour faire en sorte qu'elles n'aient plus leurs cotisations, parce qu'à certains moments, elles ont débordé au niveau de leur action, y compris sur des actions violentes, et chacun sait que c'est vrai ce que je dis. À d'autres moments, ça sera des occupations d'usines que des gens considéreront comme illégales, et il faudra en finir avec les cotisations. Donc méfiez-vous, parce qu'à partir du moment où vous votez cet amendement, demain, je vous assure qu'une autre majorité pourra décider des choses qui vous révolteront parce que vous estimerez que ces syndicats, ces associations sont légitimes, même si à certains moments, elles dépassent certaines limites. Et dans ces cas-là, la justice doit passer. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous ouvrez une boîte de Pandore en faisant ça. Et j'aimerais que raison revienne, y compris par rapport... Et je sais que Marc Le Fur est sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il révolte par rapport à ça, mais y compris par rapport à ce qui vous révolte. Chacun a une vision subjective de ça, et toute association et syndicat en France, à certains moments, y compris le syndicat agricole dont je parle, qui l'a fait à plusieurs reprises, a pu dépasser les limites entendables. Mais dans ce cas, c'est la justice qui doit passer. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas élu d'une circonscription rurale ou agricole. J'assume. Dans les fonctions ministérielles qui ont été les miennes auparavant, quand j'étais porte-parole ou secrétaire d'État à la jeunesse, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de me déplacer, d'aller rencontrer des agriculteurs, des éleveurs. Je n'ai jamais rencontré des femmes, des hommes qui aiment autant les bêtes, leurs bêtes, que les agricultrices, les agriculteurs et les éleveurs. C'est un fait. Et donc c'est vrai que je suis toujours, toujours extrêmement choqué par des discours qui font passer les agriculteurs, les éleveurs pour des assassins. J'ai toujours été extrêmement choqué par tout ça. Et je pense qu'on peut être très choqué par ces discours-là et en même temps très attaché au bien-être animal. Les deux ne sont pas en concurrence. Il se trouve qu'avec un certain nombre de collègues ici, on avait défendu au début du dernier quinquennat des amendements dans la loi Egalim contre le broyage des poussins mâles, la castration des porcelets à vif, pour l'expérimentation de la vidéo dans les abattoirs. D'ailleurs, on peut se réjouir que sur tous ces sujets, la majorité présidentielle a avancé en faveur du bien-être animal. Il y a des associations qui militent en faveur du bien-être animal. Il y a des associations qui militent en faveur du bien-être animal et qui parfois ont pu installer par exemple une caméra dans un abattoir. Il y a des images qui ont été captées, qui ont circulé, ce qui a probablement aussi contribué à éveiller un certain nombre de consciences sur ce sujet et sur la nécessité de mieux équiper les abattoirs. Il faut le dire, il faut le dire. En revanche, quand on va dégrader, attaquer, agresser des agriculteurs, des éleveurs, des entreprises, c'est profondément inacceptable. Et il faut le dire aussi, et ça doit être en permanence condamné. Il se trouve, mesdames et messieurs les députés, que notre droit prévoit que lorsqu'il y a une condamnation par la justice d'une association, il y a un retrait du droit à bénéficier de déductions fiscales. Le retrait de ce droit
et même automatique pour un certain nombre de délits. Depuis un certain temps, il était automatique pour des délits d'escroquerie, d'abus de confiance, qui étaient les délits qui se retrouvaient le plus fréquemment dans des associations. La loi confortant les principes de la République que vous avez votée, en tout cas une grande partie d'entre vous, en juin 2021, a étendu la liste des délits qui entraînent un retrait automatique lorsqu'il y a une condamnation par le juge du droit à bénéficier d'une déduction fiscale. Et elle a étendu cette liste aux actes de malveillance contre les biens et les personnes. Donc, de deux choses l'une. Ça fait moins d'un an que la loi est promulguée, monsieur Le Fur, mais il y aura probablement des condamnations et ensuite, de manière automatique, ça s'appliquera. De deux choses l'une. Soit cet amendement prévoit le respect de cette procédure qui est dans le droit aujourd'hui, c'est-à-dire le juge qui prononce une condamnation. Et s'il y a une condamnation pour des actes de malveillance contre les biens et les personnes, à ce moment-là, automatiquement, le droit à déduction fiscale est retiré à l'association. Soit il prévoit, et c'est un peu ce qu'indique la rédaction, que mes services fiscaux fassent eux-mêmes la police pour déterminer quelles sont les associations qui ont droit ou pas à la déduction fiscale, et auquel cas, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, ils sont derrière moi, la sous-directrice de la direction de la législation fiscale. Elle est très compétente pour beaucoup de sujets, on a beaucoup de chance de la voir. Elle n'est pas là pour dire si telle association a le droit ou pas à bénéficier d'une déduction fiscale parce qu'elle aurait des adhérents qui auraient commis des actes qui seraient répréhensibles. C'est le juge qui doit rester au centre, mais surtout, c'est automatique. Dès lors que vous avez une association condamnée pour des actes de malveillance pour les biens et les personnes, automatiquement, depuis la loi qui a été votée il y a un an, ça lui retire le droit à déduction fiscale. Donc moi, j'ai envie de dire, tenons-en-nous au droit, celui qui a été voté, à la justice. Et donc, ces amendements ne me semblent pas devoir être adoptés. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre. La présidente. Très bien. Suspension de séance de 5 minutes.
Mes chers collègues, je vous demande de reprendre place. Nous allons reprendre la séance. Donc, j'ai un certain nombre d'interventions que j'ai d'ores et déjà notées. J'ai noté pour M. Caron pour le groupe La France Insoumise, M. Bayou pour le groupe Écologiste, M. Laverne pour le groupe Renaissance, M. Chenu pour le groupe Rassemblement National, M. De Courson pour le groupe Lyotte et M. Laporte pour le groupe PS. Et Mme Louwagie pour le groupe LR. Alors, nous allons commencer les prises de parole. Monsieur Caron, Monsieur Chenu, vous faites un rappel au règlement ? Merci, Madame la Présidente. Au titre de l'article 80-1, c'est suite aux propos du président de la Commission des Finances qui appelle à la désobéissance civile. Lorsqu'on est évidemment député, ou qui en tout cas justifie cette désobéissance civile, on ne peut pas évidemment inciter à aller à l'encontre des lois qui sont votées dans cette maison même. C'est l'article 80-1 qui le dit. Et je pense qu'il était utile quand même de le rappeler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans cette enceinte. Ça sert à quoi qu'on construise la loi si c'est pour qu'un président de commission nous dise qu'on peut faire n'importe quoi derrière? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Caron pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, allez, s'il vous plaît, on écoute les intervenants. Mes chers collègues, la proposition sur laquelle on nous demande de nous prononcer maintenant est tellement contraire aux principes essentiels de la démocratie, de la liberté d'informer, de la liberté associative, qu'on a du mal à croire qu'elle est vraiment discutée en ce moment même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Ce qui nous est proposé, c'est tout simplement de réduire au silence les lanceurs d'alerte sur le bien-être animal, qui ont pourtant prouvé ces dernières années qu'ils sont essentiels et que les Français apprécie beaucoup. Il y a déjà un gros problème d'ailleurs lié au réalisme de la proposition, parce que vous imaginez bien que pour couler une asso, il va suffire maintenant avec cet amendement de prendre sa carte dans cette association, de pénétrer le lendemain dans un abattoir, et puis hop, l'affaire est réglée. Voilà. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Mais surtout, le fond. Bien sûr que les agressions doivent être sanctionnées. C'est déjà le cas, c'est prévu dans la loi. Et par ailleurs, L214, puisque c'est principalement cette association qui est visée par cette proposition, n'a jamais agressé personne. En revanche, ses soutiens infiltrent souvent des élevages et des abattoirs. Mais dans quel but? Non, pas, c'est pas le but. Dans le but de servir l'intérêt général en révélant précisément ce qui est illégal. Quand L214 publie des images de mauvais traitements sur les animaux, des images qu'il est impossible d'obtenir en demandant sagement l'autorisation officielle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, les élevages ou les abattoirs fautifs sont condamnés par la justice. À l'abattoir d'Alès, par exemple, en 2015, grâce à la vidéo d'L214 qui montrait des chevaux et des bovins qui étaient saignés en pleine conscience, eh bien, les services de police judiciaire ont relevé ensuite 175 infractions. Rien que ces derniers mois, un élevage de porcs dans l'Allier, des élevages de veaux dans le Finistère ont été condamnés suite aux images d'L214. Je en termine là-dessus. Il s'agit donc de lanceurs d'alerte qui révèlent la vérité. Est-ce que la démocratie a peur de la vérité? Est-ce que la démocratie cherche à bâillonner ceux qui veulent informer? Bien sûr que non. Nous voterons donc évidemment contre cet amendement. Merci beaucoup, mon cher collègue. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste, Madame Sasse. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est un amendement qui porte un lourd enjeu. Je voudrais appeler cette Assemblée à la raison. Cela a été dit, cet amendement vise à exclure de la réduction d'impôt des dons aux associations les associations dont un seul adhérent serait condamné pour intrusion dans des établissements industriels ou agricoles. Cet amendement a pour but assumé de priver de ressources nombre d'associations qui œuvrent pour la condition animale, celles qui ont levé le voile sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux qui sont intolérables et qui ont choqué nombre de nos concitoyens. Je suis sûre, chers collègues,
que vous ne pouvez qu'être sensible, comme nous, à la question de la souffrance animale. Et que vous savez le rôle essentiel, je dirais même indispensable et salutaire, que jouent ces associations, ces lanceurs d'alerte pour la condition animale et contre les pratiques cruelles et les mutilations dans les élevages intensifs. Je vous demande de ne pas les bâillonner. Je vous le demande pour la cause animale et je vous le demande aussi pour la démocratie. Vous ne pouvez pas laisser passer cet amendement. Je vous demande de voter contre. Je vous remercie. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Laverne. Merci Madame la Présidente. C'est avec une voix un peu différente de celle d'habitude. Effectivement, moi qui ai en principe un organe vocal puissant, je suis réduit aujourd'hui à une extinction de voix pour la première fois que je prends la parole dans cet hémicycle pour cette législature. Écoutez, évidemment, en tant qu'agriculteur, je ne peux pas rester insensible et je lui en ai parlé à l'amendement de Marc Le Fur. Pour autant, le ministre l'a rappelé tout à l'heure et je le remercie d'ailleurs pour ses propos qui m'ont touché. Je crois qu'effectivement, on peut l'applaudir pour le message qu'il a adressé aux agriculteurs. Je ne suis effectivement pas insensible. Il est hors de question pour nous de bâillonner les lanceurs d'alerte. Pour autant, nous voulons réaffirmer le droit, nous voulons réaffirmer qu'il est intolérable que des gens puissent s'introduire dans des élevages que les gens ont construits de leurs propres mains, à la sueur de leur front, avec force et difficulté, comme ça a été rappelé par Marc Le Fur. Ces façons de faire, de s'introduire sur la propriété d'autrui, sont intolérables. On ne peut pas jeter le discrédit sur toute l'agriculture. Mais nous savons également combien ces lanceurs d'alerte ont pu faire évoluer le droit. Ça a été rappelé tout à l'heure par le ministre. Effectivement, y aurait-il eu ce texte qui interdit aujourd'hui la castration à vif des porcelets et le broyage des poussins si ces lanceurs d'alerte n'avaient pas été. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Pour autant, nous sommes effectivement très interrogatifs sur les pratiques de certaines associations et si celles-ci sont condamnées, effectivement, le ministre pourra le redire, mais elles auront sans doute la possibilité d'être condamnées, mais malheureusement, peut-être pas au travers de cet amendement qui nous semble inopérant. Voilà. En tout cas, concernant notre groupe, nous laissons la possibilité de vote sur un sujet aussi sensible. Merci beaucoup. Merci. Pour le Rassemblement national, Madame la Présidente Le Pen. Madame la Présidente, merci. Merci. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons présenté un sous-amendement. En effet, il y a la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. En effet, ils ont apporté du plus dans la protection animale, dans la révélation comportements, d'agissements qui n'étaient pas admissibles dans une société civilisée. C'est l'intrusion seule posait, à notre avis, une difficulté, car elle pouvait uniquement viser les lanceurs d'alerte. À partir du moment où il y a le sous-amendement qui indique qui fait référence à la violence, qui fait référence à la dégradation. Alors, on n'est plus dans le lanceur d'alerte. Ceux qui ont ouvert les vannes de blé du train pour que le blé se répande sur les rails, mettant ainsi des millions d'euros à la poubelle, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Ceux qui ont détruit les tuyaux d'irrigation d'agriculteurs, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui utilisent des méthodes de violence, d'intimidation à l'égard, encore une fois, d'agriculteurs. Et ça ne peut pas être admis. Alors, évidemment, on va nous dire, sur le plan de la responsabilité, quelle est la responsabilité de l'association? Mais pardon, c'est extrêmement simple de voir si l'association a financé les déplacements sur place de ces militants, s'ils ont organisé ces déplacements, s'ils en ont fait la publicité. C'est très simple de savoir si l'association est effectivement à la manœuvre derrière ces militants ou si ces militants ont agi absolument seuls. Et vous savez très bien, si vous êtes de bonne foi, qu'en réalité, ça n'est jamais le cas. Je vous remercie. Pour le groupe Liot, Monsieur de Courson. Mes chers collègues, moi aussi, je suis élu d'une zone rurale et j'ai connu des commandos qui pénétraient illégalement, voire qui faisaient des dégradations et qui menaçaient les exploitants
qui avaient des élevages intensifs qui respectaient strictement la loi. Et donc, je ne suis pas suspect de complicité avec les personnes qui font cela. Mais je voudrais dire deux choses. S'il est intolérable que des personnes privées pénètrent illégalement dans des élevages intensifs, voire y commettent des dégradations, c'est la justice qui doit les sanctionner. Et ils doivent être sanctionnés, si possible, rapidement. Je sais que certains d'entre eux, c'est difficile de les sanctionner. Pourquoi ? Le FUR l'a évoqué. Parce qu'ils ont des cagoules. Parce que, comme chez moi, ils sont venus en car de Belgique et sont repartis immédiatement. Et le temps que la gendarmerie arrive, ils étaient déjà repartis. Et puis, ma deuxième observation concernant les associations. Si elles ont appelé ou ont été complices d'actions illégales, elles doivent aussi être condamnées par la justice. Et c'est après avoir été condamnées par la justice que la déductibilité des dons doit être supprimée. Voire, si ça se répète, l'association doit être dissoute par décret en Conseil des ministres. C'est ça l'état du droit. Et j'aime bien Marc Le Fur, puisque nous nous connaissons depuis 30 ans, oui, puisqu'il a été élu avec moi en 93, mais il y a eu une petite interruption. Mais à part ça, voilà, on a à peu près le même âge. Et je vais lui dire que son amendement soulève un vrai problème, mais qu'il y a une confusion entre la responsabilité de ceux qui commettent ces actes et la responsabilité de l'association. Si son amendement était rédigé, on retire la déductibilité à toutes les associations qui sont complices ou qui ont appelé à ces actes illégaux. Voilà, c'est ça. Et ça, je le voterai. Mais pas la confusion des deux, de dire on retire la déductibilité à des associations dont des membres ont commis des infractions sanctionnées par la justice, puisque dans l'amendement Le Fur, c'est les membres qui ont été condamnés. Voilà. Merci, mon cher collègue. Alors, pour le groupe socialiste, j'ai noté Monsieur Laporte. De Laporte, mais sans particule. De Laporte. Je ne reprendrai pas les propos de Monsieur de Courson. J'ai dîné tout à l'heure avec une amie éleveuse, et je peux vous dire qu'elle aime ses bêtes. Elle était même en tribune jusqu'à la suspension. Elle aime ses bêtes, et je salue, et nous saluons tous les éleveurs. Elle s'appelle Marie-Jo. Nous saluons tous les éleveurs qui aiment leurs bêtes et qui font leur travail. Et nous chérissons aussi autre chose dans cet hémicycle, c'est le droit. Nous sommes ici pour faire le droit, mais aussi pour respecter les principes fondamentaux du droit. Et je salue les propos qui ont été tenus tout à l'heure sur les bancs du gouvernement, qui font preuve de responsabilité, d'éthique et de respect de ces principes fondamentaux. Parce qu'il y a deux choses importantes. Il y a le respect de la justice, de ses décisions, de ces condamnations à l'égard de ceux qui font des intrusions, de ceux qui commettent des actes de malveillance, des actes de dégradation dans les élevages. Oui, la justice est là pour cela, pour punir ceux qui font cela. Mais la justice, elle est aussi là pour autre chose, pour garantir le droit de chacun à s'exprimer librement et par ailleurs pour nous protéger, nous citoyens, quel que soit le régime politique. Et si aujourd'hui on vote ce type d'amendement qui condamne des militants et qui condamne une organisation pour certains de ces militants, sans qu'elle même ne soit potentiellement mise en cause. Alors, transposons juste la logique au parti politique. Il suffirait qu'un militant d'un parti politique soit condamné pour que le parti politique n'ait plus le droit d'exister. Est-ce cela que vous voulez comme principe fondamental de notre droit ? La réponse est bien sûr non. Nous chérissons le droit, nous chérissons la liberté d'expression et nous chérissons aussi celles et ceux qui font de l'élevage en France avec l'intention de protéger les bêtes et de la bonne condition animale. Oui, c'est tout cela que nous chérissons. Alors je vous en prie, je vous en conjure, ne votez pas ces amendements qui remettront en cause certaines choses et qui risquent de mettre en œuvre des mécanismes d'effet cliqué et derrière de menacer l'ensemble de notre droit. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Louwagie pour le groupe Les Républicains. Mais merci Madame la Présidente. Je voudrais réagir sur les propos du rapporteur général d'abord. Vous indiquez en réponse, Monsieur le rapporteur, que les associations pouvaient être dissoutes. Je voudrais vous demander combien d'associations ont été dissoutes. Je voudrais maintenant réagir sur les propos du président de la Commission des Finances. Vous m'avez profondément choqué ce soir, Monsieur le Président. Vos propos m'ont heurté en parlant de forme de désobéissance civile. Mais en fait, c'est très intéressant ce type de débat sur les sujets sociétaux parce que chacun peut s'exprimer et chacun se découvre. Mais très sincèrement, comment peut-on accepter une certaine forme de désobéissance civile
quand il s'agit, dans l'exemple que je donnais, d'incendies dans trois poulaillers qui ont été complètement détruits de manière intentionnelle avec une maison d'habitation à quelques mètres. C'est de l'irresponsabilité. Et il ne s'agit pas là d'image. Il ne s'agit pas d'image, il s'agit d'actes de violence. Alors, l'objection de conscience que vous avez exprimée ce soir, Monsieur le Président, révèle votre vision, la vision de LFI, de notre société. Et cette vision, je peux vous dire que nous, les députés, les Républicains, la combattons. Maintenant, je voudrais réagir au propos de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, finalement, vous avez cherché à apaiser ce soir en apportant une réponse, en indiquant qu'il était possible de supprimer le bénéfice des déductions fiscales aux dons aux associations qui ne respectent pas le droit. Permettez-moi de rester dubitative quand même. Je pense que notre amendement était beaucoup plus fort et apportait une réponse. Alors, vous avez indiqué que la justice pénale devait condamner. Oui, je partage. Mais est-ce que la justice fiscale ne peut pas à un moment être utilisée? Parce que la vraie question, c'est est-ce que nous acceptons, mes chers collègues, j'en appelle aux députés de la majorité qui ont voté cet amendement en commission, est-ce que nous acceptons que les deniers publics financent des associations qui commettent des infractions? Est-ce que l'État peut cautionner? Nous sommes dans un monde de violence. Est-ce que l'État peut cautionner des violences et dégradations? Est-ce que l'État peut être garant complice de ces associations en les finançant? Voilà. Alors, mes chers collègues, est-ce que vous êtes complices? Est-ce que vous admettez que l'État soit complice d'actes de violence? C'est à l'État d'être le garant. Moi, je fais beaucoup confiance à l'État. L'État doit nous protéger. Il doit protéger les uns et les autres. Il doit contrôler. Il Merci. Doit sanctionner. Et la justice fiscale est un moyen. Merci beaucoup. Pour le groupe GDR, Monsieur Sansu. Merci, Madame la Présidente. Je viens de sortir de la place d'André Chassaigne. Tout un programme quand on parle d'agriculture, bien entendu. Et d'agriculteurs. Et vous connaissez notre respect et notre attention pour les éleveurs. Vous le savez, historiquement, le Parti communiste français a toujours été du côté des éleveurs et des agriculteurs. Mais cela va de pair avec la nécessité du respect du bien-être animal tout au long de la filière, et je ne mets jamais en cause les agriculteurs sur ce sujet. Et comme l'a dit Marc Le Fur, nous savons qu'il peut y avoir, parmi certains lobbies, la volonté non pas seulement de manger moins et mieux de viande, mais aussi d'en viser une lente extinction. Et moi, je le sais. Mais je comprends, pour ma part, à la lumière des débats que nous avons eus, qui sont fort intéressants, et des explications apportées par M. le ministre, que je remercie particulièrement pour sa brillante intervention, que nous sommes déjà outillés pour que les personnes qui se rendraient coupables de dégradation et de violence soient condamnées. Et comme l'a dit mon collègue Delaporte, c'est à la justice de décider. Et cet amendement ne doit pas justement se substituer à cela. Et la justice peut, si elle le souhaite, évidemment, condamner les gens qui se rendent coupables d'agressions, de violences, d'intrusions qu'ils n'ont pas à faire. Mais la justice peut aussi travailler au niveau des associations. Mais par contre, je ne dirais pas de grâce parce que ça ne m'irait pas, mais franchement, cet amendement n'irait pas dans le bon sens. Je vous invite à supprimer cet amendement. Je vous remercie. Pour le groupe Modem, Monsieur Bruno Millien. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'aime bien ces débats parce qu'ils sont éclairants. On part avec des idées peut-être préconçues et puis on peut peut-être changer d'avis. En revanche, Monsieur Coquerel, jamais je n'accepterai qu'on appelle à la désobéissance civile. C'est ce que vous avez fait sur ces bancs. La loi force doit rester à la loi. Alors, oui aux lanceurs d'alerte. Oui aux lanceurs d'alerte. Grâce à eux, nous avons progressé sur le bien-être animal et je suis d'accord avec vous. Parce que c'est vrai. Mais non aux menaces, non aux intimidations. Parce que vous voulez aussi, vous nous donnez des cas précis, moi je peux vous en donner aussi. Je connais une agricultrice qui a réussi à monter un abattoir mobile. Elle a reçu des menaces de mort parce qu'elle avait fait cet abattoir mobile. C'est inacceptable de la part d'associations. De la part d'associations. Alors maintenant, on est, Monsieur le ministre, et j'espère que vous reprendrez la parole et que vous nous le confirmerez, on est dans une espèce de corner. Parce que, oui, mes chers collègues des Républicains, j'ai bien peur. Pourtant, Dieu sait si j'épouse le fait qu'il faut condamner ces actes. Et je peux le faire d'autant plus tranquillement que moi-même, j'ai porté plainte contre des agriculteurs qui avaient endommagé ma permanence. Donc, vous voyez, je suis serein là-dessus.
et je me suis pas... On est devenus les meilleurs amis du monde depuis. Mais ça ne m'a pas empêché de porter plainte. Je ne suis pas persuadé à 100%, je vous le dis franchement, que votre amendement soit opérant. C'est mon gros souci. Donc pour ce qui concerne le vote MoDem, enfin démocrate et apparenté, nous laisserons la liberté de vote à nos membres. Voilà. Je vous remercie. J'ai un rappel au règlement de la part de M. Bayou. Oui, merci Madame la Présidente, sauf si le Président Coquerel veut répondre. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, mise en cause personnelle. Le Président Coquerel a rappelé les principes fondamentaux des lois de la République, la liberté d'association. Et je voudrais insister sur le fait que c'est un amendement, c'est un petit amendement et un sujet majeur. Et je voudrais que ce soir on prenne la mesure des débats qu'ont eu à trancher nos aînés en 1901. Il y a deux guerres mondiales, plusieurs républiques, de multitudes majorités, la liberté d'association. Et le débat que nous avons ce soir ne mérite pas les mises en cause personnelles que subit le président Coquerel. L'enjeu, c'est la liberté d'association. Et nous sommes tous ici par la volonté du peuple et la biais, la grâce de la liberté d'association que permettent nos partis politiques. Il n'est pas possible de confondre le petit amendement et le principe fondamental de la loi de la République, qu'est la liberté d'association et qu'a voulu défendre le président Coquerel. Alors, j'ai encore une intervention pour le groupe Horizon. Monsieur Patrier-Létus. Merci, Madame la Présidente. À part quelques-uns, peut-être, dans l'hémicycle, on est tous d'accord qu'on ne peut pas tolérer l'agribashing, les agressions et les violences à l'encontre de nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ils sont dans une détresse matérielle et psychologique importante. Et l'agribashing, que vous le vouliez ou non, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui les pousse à bout. Donc oui, l'agribashing est intolérable. Maintenant... Mais c'est ça la réalité de nos agriculteurs aujourd'hui. Ils sont dans une détresse matérielle, psychologique, et l'agribashing, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais très bien. Maintenant, si je peux terminer... Comme l'a dit mon collègue Charles de Courson, le problème de votre amendement, c'est qu'il crée une confusion entre la responsabilité des associations et la responsabilité des adhérents. Moi, je propose un compromis, c'est qu'on pourrait retirer la réduction d'impôt à des associations qui n'excluent pas des membres qui ont été reconnus de violence ou d'agression à l'encontre des agriculteurs. Et là, on réunit et on évite la confusion entre la responsabilité des associations et des adhérents. On peut considérer que si des associations n'excluent pas des adhérents qui ont été reconnus par la justice coupables, elles cautionnent les actes de leurs adhérents. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc chaque groupe a pu s'exprimer à travers un orateur. Est-ce que la commission, monsieur le rapporteur général, monsieur le président ? Oui, je voudrais revenir sur une polémique que je sens... vouloir être développé, je ne suis pas étonné que ça soit développé par l'extrême droite. Pardon, par contre, Mme Louvagie, que vous n'ayez pas écouté, avec tout le respect que je vous dois, exactement ce que j'ai dit, et y compris mes collègues, je vois une volonté, quelque part, de développer quelque chose qui n'est pas très sain. Ce que j'ai dit exactement, et je le revendique encore, c'est que dans notre démocratie, et ça l'honore, une certaine forme de résistance civique était acceptée. Je vais vous donner des exemples. En 1955-56, aux États-Unis, les lois des États-Unis, c'était les lois ségrégationnistes. Mais bien évidemment, et je pense que nous serions tous d'accord, laissez-moi terminer, je pense que nous serions tous d'accord pour dire que les gens... qui ont fait de la désobéissance civique pacifique par rapport à ces lois étaient dans le vrai. Je vais continuer. Non mais attendez, c'est bon. Je vais continuer. Il y a quelques décennies de ça, en Bretagne, des personnes ont occupé de manière illégale un terrain qui était celui de Plogoff, quand une centrale nucléaire. Le gouvernement, par la suite, a reconnu que cette centrale nucléaire était impossible. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit, pacifique, vous avez bien écouté tout à l'heure. Donc oui, mais écoutez, c'est bon. Oui, je pense nécessaire, et le dernier exemple d'ailleurs auquel, au départ, lors de l'occupation des ronds-points, où je crois qu'aucune force, peut-être après la majorité, mais aucune force ne contestait la légitimité des gilets jaunes par rapport à la loi qui avait été votée sur la taxation
l'occupation des ronds-points était totalement illégale par rapport à la loi. Pas plus vous, pas plus le RN, pas plus la gauche et même une partie de la majorité n'a considéré que c'était illégitime. Donc oui, je vous le dis, et c'est tout l'honneur de notre démocratie. Et je vais redire ce que j'ai exactement dit tout à l'heure. Jusqu'à une certaine limite, oui, ça doit être reconnu. Et j'ai déterminé que la limite, c'était effectivement la justice qui devait... Écoutez, c'est vous qui êtes en train de montrer votre intolérance et votre... S'il vous plaît, on laisse parler l'orateur. C'est je pense que chacun puisse s'exprimer. Monsieur le Président, merci, vous terminez, merci. Puis on passera au vote. Je termine, si vous voulez. C'est à partir de là, et c'est exactement ce que j'ai dit, que c'est la justice qui devait déterminer quand, quelque part, on sortait d'un cadre admissible par notre société. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est ce que je revendique. Mais oui, par principe, une certaine forme de désobéissance civique pacifique est quelque chose non seulement de nécessaire, mais en plus est quelque chose, j'allais dire, qui devient ensuite légitime par rapport aux décisions qui sont prises. Je n'ai pas appelé à la désobéissance civique, je vous fais simplement quelque chose qui est une histoire de notre République et qui, à certains moments, a montré que les gens qui disaient non par rapport à des lois avaient raison. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bien. On voit que c'est un sujet qui suscite du débat. Qui suscite du débat, de l'émotion. Il faut voir le temps qu'on a passé à en débattre, c'est légitime. Il faut voir aussi les interpellations dont on fait tous l'objet sur les réseaux sociaux, parmi nos proches. Et je pense que ça traduit une chose, c'est qu'il y a quand même un malaise dans la société autour de ce sujet-là. Et moi, je veux le dire de manière très claire, ce malaise, il n'est pas le fait des éleveurs, des bouchers charcutiers de notre pays, il est le fait, effectivement, d'individus et d'associations qui, par des actes absolument insupportables et inqualifiables, ont créé ce malaise. Et moi, je me réjouis d'une chose, c'est d'abord d'avoir entendu qu'il était reconnu qu'être lanceur d'alerte pour une association, c'est légitime, ça a du sens, et que sur ce sujet-là précisément, il y a un certain nombre de progrès qui sont intervenus, qui ne seraient pas intervenus s'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte qui avaient communiqué un certain nombre d'images, rendu public un certain nombre d'images. Je me réjouis aussi d'avoir entendu sur tous les bancs, y compris sur les bancs qui s'opposent à cet amendement, des paroles pour saluer le rôle des éleveurs et le fait qu'ils aiment leurs bêtes. Mais j'aurais aimé entendre de la même manière sur tous les bancs, y compris sur ces bancs, des paroles pour condamner clairement les actes insupportables d'associations qui ont saccagé, qui ont cassé, qui ont agressé. Si on n'est pas capable d'être tous unanimes pour porter ce message-là sur nos bancs, la réalité, c'est que nous participerons à alimenter ce malaise dans notre société, là où il ne devrait pas y en avoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter le ministre ? Merci. Je veux revenir sur l'état du droit. C'est ma responsabilité, je crois, de vous donner l'état du droit et des règles. La réalité, c'est que le droit a changé il y a à peine un an. Et que donc, la réalité... Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une association qu'on a abondamment citée ce soir, qui est poursuivie par la justice pour des actes de malveillance. Il y a une décision de la Cour de cassation qui devrait intervenir. Si elle est condamnée et que la décision de la Cour de cassation condamne définitivement cette association, dans les 15 jours, du fait de l'évolution qui est intervenue dans la loi il y a un an, dans les 15 jours, elle perd son droit à déduction fiscale pour les personnes qui lui font des dons. Et alors très concrètement ensuite, il lui faut 3 ans avant de pouvoir demander à nouveau à bénéficier de la déduction fiscale. Donc vous voyez bien que le droit a évolué. Donc moi ce que je dis de manière très claire, c'est que si de la même manière qu'on l'a entendu sur tous les bancs, on a un respect pour la loi et pour le juge, bah, à ce moment-là, les intentions qui sont exprimées sont satisfaites par l'évolution qui est intervenue il y a à peine un an. Bah, Monsieur Le Fur, vous disiez qu'il n'y a pas eu de décision. Ça fait un an, il n'y a pas eu de décision de justice encore. Il y en a une qui est pendante. Et le fait est qu'on verra cette loi s'appliquer si la justice condamne. J'ai entendu ensuite des questions qui étaient posées sur la différence entre ce que font les adhérents des associations et les associations elles-mêmes. Il se trouve que le Conseil constitutionnel, dans la décision qu'il a rendue sur la loi confortant les principes de la République il y a un an,
a précisé les choses de manière très claire. Il a dit que l'association est considérée comme responsable si elle n'a pas tout mis en œuvre pour exclure ses membres qui se sont rendus coupables des actes de malveillance. Donc c'est très clair. C'est très clair. Si vous avez des individus qui commettent des actes de malveillance, de dégradation contre des agriculteurs, que l'association ne les a pas exclus, n'a pas tout fait pour les exclure, pour s'en distancer, elle est elle-même condamnée et elle perd son droit à déduction fiscale. C'est la loi. Maintenant, je le redis, le sens, je pense, on le partage, la lettre de l'amendement transforme mes agents de la direction de la législation fiscale en juges. Et j'ai entendu Mme Louwagie qui dit qu'il y a le juge pénal, il faut aussi qu'il y ait le juge, la justice fiscale. Mais il n'y a qu'un juge. Et quand le juge pénal condamne une association, de facto, du fait de la loi, elle perd son droit à déduction fiscale pour les personnes qui lui donnent. Et moi, je le dis, je ne veux pas transformer mes agents en procureurs, en juges ou en policiers qui viendraient eux-mêmes déterminer si telle association a droit à déduction fiscale ou pas. Je pense qu'à la fin, on trouvera tous des cas qui nous scandaliseront et contre lesquels on s'insurgera. Voilà. Donc moi, je dis les choses de manière très claire. Pour les raisons que je viens d'évoquer, je donne un avis défavorable au nom du gouvernement. Si cet amendement venait à être adopté, j'imagine et je crois que les sénateurs préciseront peut-être les choses, puisqu'il se trouve qu'ils ont eux-mêmes auditionné mes services et que des retours dont je dispose, ces faits qui ont été, ce droit qui a été communiqué par mes services, leur a plutôt montré et les a plutôt convaincus que la réalité, c'est que le sujet est aujourd'hui satisfait par le droit actuel. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Donc, je pense que l'Assemblée est suffisamment éclairée sur ce point pour pouvoir voter. Nous votons d'abord à main levée sur le sous-amendement numéro 3552 présenté par le Rassemblement national qui fait l'objet d'un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc le sous-amendement est rejeté. Et maintenant, donc un scrutin public, tout le monde a pu regagner sa place. Donc un avis défavorable du gouvernement, un avis favorable de la commission et défavorable à titre personnel du rapporteur général. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 262, exprimés 236, majorité 119 pour, 97 contre, 139. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Alors, je vous indique que sur les deux amendements suivants, le 2736 et le 2733, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Donc, je l'ai fait annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Pour l'amendement numéro 2736, Monsieur Tanguy. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Écoutez, cet amendement va dédire, Monsieur le Ministre, puisque en fait, en France, sous des gouvernements depuis maintenant 20 ans, en fait, des associations qui ont décrété elles-mêmes qu'elles incarnaient le bon, le vrai, le bien, enfreignent la loi dans l'indifférence générale des pouvoirs publics, y compris sur un des sites de France qui devrait être le plus sécurisé et sur lesquels les gouvernements, y compris ceux de droite, devraient sécuriser en priorité, c'est-à-dire nos centrales nucléaires. Des associations comme Greenpeace, depuis des années, oui, rentrent dans des sites nucléaires avec la coopération parfois des autorités, parce qu'il ne faut pas de vagues, et se permettent de mettre des banderoles sur nos centrales nucléaires, se permettent de pénétrer sur des endroits dans lesquels ils n'ont rien à faire, et font croire ainsi, avec la complicité de certaines autorités, que nos sites nucléaires sont sensibles et qu'ils sont exposés, non pas parce qu'ils le sont vraiment, puisque s'il y avait un État digne de ce nom, il n'aurait jamais pénétré ces sites, mais parce qu'il y a une telle lâcheté au sein des instances de l'État et des autorités complices de Greenpeace et de gens qui pensent qu'ils ont tous les droits, qu'on fait croire qu'ils sont sensibles. Donc il est temps de dire qu'il faut appliquer la loi, Monsieur le Ministre, puisque la loi n'est pas appliquée, donc renvoyer un signal et dire que quand des associations se permettent d'enfreindre la loi et de pénétrer dans des sites qui sont extrêmement sensibles comme les sites nucléaires, ils doivent perdre évidemment tous leurs avantages fiscaux. Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur Général, votre avis. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, d'abord, c'est pas tout à fait la même chose, puisque je voudrais moi aussi le redire et en témoigner. Quand on agresse un agriculteur, l'impact psychologique pour l'agriculteur peut être terrible.
Et je crois qu'il faut être solidaire de nos agriculteurs. Et toutes les interventions aujourd'hui ont montré que nous étions solidaires avec nos agriculteurs. Là, ce n'est pas tout à fait du même ordre. On va vous répondre avec les mêmes arguments juridiques, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut pas anticiper une décision juridique. Et l'arsenal juridique aujourd'hui permet à la fois et de condamner les individus et de condamner les associations. On voit avec votre amendement jusqu'où on peut aller ou jusqu'où peuvent aller les dérives, hein, et choisir effectivement telle ou telle association, tel ou tel type d'intrusion, où s'arrête le droit. Donc avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre. Oui, même avis pour les mêmes raisons, ça revient au débat qu'on a eu tout à l'heure. Très bien, c'est noté. Monsieur Bayou. Oui. Monsieur Bayou, puis Madame Le Pen. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, contre cet amendement. Et à vrai dire, je ne comprends pas le débat, puisque nous avons eu sur les bancs d'en face un soutien aux lanceurs d'alerte, un soutien appuyé, un soutien, à vrai dire, que je salue. Et c'était les lanceurs d'alerte sur le bien-être animal. Tout en condamnant, évidemment, et comme nous le faisons, ce qui est tout à fait différent, les agressions, les intrusions, la violence à l'égard des éleveurs. Eh bien là, si on parle de Greenpeace, et parlons de Greenpeace, puisqu'avant nous parlions de L214, dont je salue le travail, eh bien parlons de Greenpeace, dont je salue le travail. Les centrales nucléaires dans ce pays ne bénéficient pas de la sécurité nécessaire. Et c'est le travail des lanceurs et lanceuses d'alerte de Greenpeace que de le démontrer. Et disons les choses. Si des militants et militantes de Greenpeace parviennent à s'introduire sans violence, jamais, sans violence, dans une centrale nucléaire, vous connaissez l'adage, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Est-ce qu'on doit s'émouvoir des militants ou de la situation de la sécurité de ces centrales? Quand vous avez des militants qui arrivent à venir comme ça sur une centrale, projeter un drone, des fois c'est un peu rigolo, présenter une banderole ou quoi, mais en fait ça doit nous alerter sur la sécurité des centrales, et nous devrions les remercier pour ces stress tests, pour ces tests de sécurité. Et dans tous les cas, et dans tous les cas pour être sérieux, systématiquement ces militants et ces militantes et ces organisations affrontent la justice. C'était le tribunal de Metz de 2021. C'est évidemment une longue histoire de procès, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et dans la droite ligne de ce principe fondamental des lois de la République et la liberté d'association, et d'un autre qui nous tient à cœur, la séparation des pouvoirs, ne nous faisons pas juges. Nous votons les lois, merci. Elles sont appliquées, les juges tranchent. Merci. Les juges condamnent Greenpeace, ils seront condamnés. Ça merci. N'est pas à... Madame la Présidente Le Pen. Non mais monsieur le rapporteur, pardon, où s'arrête le droit? Mais de quoi parlez-vous? Les intrusions dans les centrales nucléaires, on sait très bien où est le droit. Bah, ils n'ont aucun droit de s'introduire dans des centrales nucléaires. Enfin, à l'évidence, ce sont des faits qui sont extrêmement graves, précisément parce que ce sont des endroits qui sont très sensibles. Et quand ils le font, et mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, et il a raison, c'est parce qu'ils ont des complicités, soit passives de la part des forces de l'ordre à qui on a dit « laissez-les rentrer », soit internes même à l'entreprise, et ça arrive. Mais où s'arrête le droit? Nous le savons très bien. Et surtout, où il commence, c'est ça, je crois, le plus important. On parlait tout à l'heure d'agenda caché. On parlait pour, notre collègue Le Fur l'expliquait, pour ceux qui ont l'agenda caché, en réalité, de supprimer la viande pour la remplacer par de la viande de synthèse. Mais l'agenda caché de toutes ces associations antinucléaires, on le connaît très bien. On sait très bien quelles sont les nations qui ont financé ces associations parce qu'elles voulaient lutter contre l'avantage concurrentiel de notre pays acquise grâce au nucléaire. Et si nos entreprises avaient un avantage concurrentiel, ça gênait un certain nombre de nations qui étaient concurrentes. Elles ont donc financé ces associations pour tenter d'attenter à l'image du nucléaire. Enfin, je vais vous dire, il y a quand même une chose qui est rassurante.
elles vont toutes devenir pronucléaires, puisque j'ai lu cet après-midi que leur gourou de 15 ans et demi vient de dire que pour finir, elle est pour le nucléaire. Merci, mademoiselle Thunberg. Monsieur Millienne. Merci, madame la présidente. Alors, je vais être très clair, nous ne voterons pas l'amendement du Rassemblement national. Maintenant, cet hémicycle, nous sommes les représentants du peuple, et il faut que de temps en temps la vérité sorte. Sur les intrusions de Greenpeace dans les centrales nucléaires, je crois me souvenir qu'il y a eu une commission d'enquête sur le nucléaire et que Gérard Collomb, à l'époque ministre de l'Intérieur, il me semble, avait déclaré qu'avec les militants de Greenpeace, on était un petit peu plus coulants qu'avec les autres et on les laissait pénétrer pour éviter les histoires. Je n'ai pas été vérifié, je vous le dis franchement, je dis simplement ce qui s'est passé lors des auditions de cette commission d'enquête. Et pour finir, j'entends certains ici dans cet hémicycle dire qu'ils appellent à la désobéissance civile pacifique. Très bien, ça me va. Mais j'ai aussi entendu cet été certains d'entre vous appeler à la destruction de biens d'autrui au nom de la désobéissance civile. Et là, je suis désolé, ça ne va plus. Monsieur Bayou, vous faites un rappel au règlement ? Oui, pour mise en cause de ces associations, comme si elles étaient... Article 70, alinéa 3, comme si elles étaient financées par des puissances étrangères. Et je trouve ça particulièrement malvenu de la part d'un parti politique objectivement soutenu par la bienveillance. Je vous remercie, ça n'est pas un rappel au règlement. Monsieur Boucard, pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente, pour répondre rapidement à notre collègue Bayou. Il nous a posé le dilemme de savoir est-ce que le problème vient de ces militants qui s'introduisent illégalement dans des centrales nucléaires ou est-ce que le problème vient de la sécurité dans ces centrales nucléaires. Mon cher collègue, la réponse est évidente, c'est les deux. Le problème, c'est ces militants qui contreviennent à la loi. Et on s'était mis d'accord tout à l'heure pour dire que dans ce Parlement, nous faisons la loi, nous votons la loi et qu'elle doit être respectée. Donc ces militants qui contreviennent à la loi sont évidemment en tort. Et on a évidemment aussi un problème de sécurité. Ça renvoie à la responsabilité de l'État qui devrait intervenir beaucoup plus fortement pour ne pas laisser penser à des personnes qui auraient des visées beaucoup plus malveillantes encore que nos petits camarades de Greenpeace qu'ils pourraient rentrer de manière totalement illégale et facile dans nos centrales nucléaires. Et je voudrais vous dire que la visée que vous poussez de nous montrer que le nucléaire est dangereux dans notre pays, les Français mesurent chaque jour avec la crise énergétique que nous traversons, mesure chaque jour avec l'hiver que l'on nous annonce, que les visées que vous montrez sur le nucléaire, vous, depuis 20 ans, une partie de cette majorité lors du mandat précédent, vos collègues socialistes sous le mandat de M. Hollande, ça nous montre à quel point vous êtes dans le faux, vous êtes dans l'erreur depuis 20 ans et les Français vont très concrètement en payer les conséquences cet hiver et ils ne vous en remercieront pas. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, Madame Dufour. Et j'aimerais rappeler quand même que dans le cas des intrusions centrales, plus d'une trentaine de personnes ont été poursuivies pendant plusieurs années et ont été condamnées par la justice. Donc la justice a fait son travail et la justice a tranché, que ça vous plaise ou non, la séparation des pouvoirs existe dans ce pays. C'est pas vrai que quand on s'introduit dans une centrale nucléaire, on n'a pas de suite judiciaire. Arrêtez de faire croire aux gens, vous êtes des démagogues, vous dites n'importe quoi, c'est faux. Les activistes qui font ça savent les risques qu'ils prennent et ils les assument pleinement. Ce qui vous gêne, c'est qu'effectivement, ils ont démontré que nos centrales nucléaires étaient des passoires. Mais vous pensez vraiment que des gens qui auraient des visées terroristes attendent que des activistes de Greenpeace s'introduisent dans des centrales pour savoir s'ils vont y aller ou non? Mais soyons sérieux un petit peu. Soyons sérieux. Le problème, c'est que vous utilisez des boucs émissaires pour ne pas parler des vrais sujets. Dans le budget, bientôt, moi je suis rapporteur spécial sur la sécurité nucléaire, figurez-vous. L'Agence de sécurité du nucléaire demande 21 ETP supplémentaires sur 5 ans pour assurer la sûreté nucléaire. Eh bien, accordons-le. Vous parlez du mal-être des agriculteurs tout à l'heure. On dirait que c'est à cause des activistes de L214 que les agriculteurs se suicident aujourd'hui. Mais c'est parce que vous ne savez pas réformer la politique agricole commune. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. C'est votre faute aujourd'hui si les agriculteurs se suicident. D'accord ? Et nous, on est contre ça. Ça suffit maintenant. Donc, mes chers collègues, donc nous allons pouvoir procéder au scrutin. Est-ce que chacun a regagné sa place ? Donc je vais mettre aux voix l'amendement 2736 qui a reçu un double avis défavorable commission-gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Votants 244, exprimés 242, majorité 122 pour 68, contre 174. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Pour l'amendement suivant, donc le 2733. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Alors, certaines associations subventionnées par des fonds publics, l'argent des Français, donc, aident directement, voire organisent l'entrée illégale d'étrangers en situation irrégulière en France. Eh oui ! Ce mode d'action délictueux fait rarement l'objet, figurez-vous, de poursuites judiciaires. Cette situation est non seulement inacceptable du point de vue du droit dont nous parlions, mais le fait qu'elle provienne d'associations parfaitement connues et bénéficie de l'aide financière des pouvoirs publics l'est évidemment davantage. Ces associations, donc entre autres, financées par des dons, bénéficient par conséquent de la réduction d'impôts de l'article 200 du Code général des impôts. C'est pourquoi cet amendement que ma famille politique propose a pour objet d'exclure du bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 200 du Code général les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d'avoir apporté une aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Il propose en outre d'interdire à ces mêmes associations de délivrer du coup des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d'impôts. Je ne doute pas que cet amendement de bon sens fasse consensus. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur Général. Défavorable, Monsieur le Ministre. Défavorable. Alors, double avis défavorable. Allez-y. Alors, Sylvie. S'il vous plaît, on écoute l'orateur. J'aimerais commencer par vous dire que j'aurais aimé vous entendre tenir ce genre d'amendement au sujet de générations identitaires qui menaient des actions illégales pour empêcher les migrants de rentrer dans le pays. Mais, collègues, j'aimerais quand même qu'on ait un débat assez sérieux sur ce sujet parce que j'aimerais qu'on rappelle une certaine réalité. 15 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui sont mortes dans la Méditerranée depuis le début de ces crises. 40 000, c'est le nombre d'enfants mineurs non accompagnés qu'il y a actuellement dans le pays. Des centaines de milliers, c'est le nombre de personnes migrantes sans papier qu'on empêche de travailler et qui vous servent vos plats quand vous commandez sur Uber Eats. J'aimerais vous inviter à un débat de fond. La Banque mondiale nous explique que ce sont 216 millions de personnes qui n'auront ni eau ni à manger à cause du réchauffement climatique. Collègues, qu'allez-vous faire? Allez-vous les laisser mourir? Alors, j'aimerais vous rappeler que nous avons un devoir qui est le devoir de fraternité. Et je veux aussi m'adresser à nos concitoyens. Collègues, citoyens, oui, accueillez les Afghans qui fuient les talibans. Collègues, citoyens, oui, accueillez les Ukrainiens qui fuient la guerre. Collègues, citoyens, oui, accueillez le Somalien qui fuit la misère. Et surtout, faites honneur à votre pays qui a cette belle valeur de fraternité. Marchez dans les pas de l'altruisme de Cédric Herrou et pas dans les pas de la haine xénophobe et raciste du Rassemblement National. Madame Arrigui. C'est Madame Arrigui qui a la parole. Allez-y, ma chère collègue. Alors, je m'adresse à nos collègues de la majorité, à nos collègues de LR. Bon, je peux le dire, majorité relative, si vous voulez, mais je pense que le sujet est sérieux. Je m'adresse à vous parce que nous avons commencé par une mesure fiscale pour condamner certains agissements que nous condamnons tous, et dont le ministre nous a rappelé que l'état de droit était là et que c'était la justice de se prononcer. Nous avons continué avec une autre mesure, toujours fiscale, concernant une association, Greenpeace, dont la traduction en français est « vert, paix » ou « paix verte, paix ». Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Ce qui devait arriver, arriva, c'est que maintenant, le Rassemblement national se révèle tel qu'il est,
quand il cherche à se banaliser, tel qu'il est raciste et xénophobe. J'ai un rappel au règlement de la part du Rassemblement national. Madame la Présidente, rappel au règlement sur la base de l'article 70, vu les injures prononcées par nos collègues deux fois en face. Je vous demande évidemment de faire quelque chose. C'est pas une injure. Tu ne te réveilles. Alors, est-ce que certains veulent prendre la parole sur cet amendement ? Non ? Donc, Monsieur Chenu, rappel au règlement. Monsieur Chenu. Oui, Madame la Présidente, rappel au règlement sur la base du 70.1. La lâcheté n'est pas un délit, le racisme en est un. Donc, par conséquent, à partir du moment où vous sanctionnez durement un député qui prononce le mot de lâche, un député qui prononce le mot communautariste vis-à-vis d'un ministre, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas sanctionner des députés, deux députés, qui nous insultent de racistes. Voilà, vous avez choisi, Madame la Présidente, de prononcer des sanctions. Elles doivent être les mêmes pour tous. Je vous remercie. Monsieur, allez-y, pour un rappel au règlement également. Toujours sur la base de l'article 70. Il y a des tribunaux qui tranchent quand il s'agit d'insultes ou de diffamations. Il se trouve que les tribunaux français ont tranché et que l'on a le droit, voire même le devoir, de rappeler que le Rassemblement national est un parti raciste et xénophobe. Ce n'est donc ce qui est classé par la justice n'est pas une insulte. Bon, je vous propose une suspension de séance.
Mes chers collègues, je vous invite à reprendre place. Nous allons terminer les débats dans quelques minutes. Après échange avec certains d'entre vous, je pense qu'il est plus sage concernant ces différents termes utilisés depuis quelques jours entre les uns et les autres, que nous puissions en délibérer calmement, sereinement, en bureau, avec l'ensemble des présidents de groupe et les secrétaires qui sont, à mon sens, le bon organe pour pouvoir traiter ces sujets. Donc, Madame la Présidente Le Pen, ce sujet sera abordé au prochain bureau qui, de mémoire, a lieu, je crois, le 9 novembre, quelque chose comme ça. Le 5. Bien, je viens de prendre cette décision et je vous l'indique et vous devez en prendre acte. Donc maintenant, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 2733 qui a reçu un double avis défavorable du gouvernement et de la commission. Chacun a pu regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 234, exprimé 234, majorité 118 pour 66, contre 168. L'Assemblée nationale n'a pas adopté l'amendement. Nous avons ensuite des amendements identiques. Le 1359, Monsieur Valence, allez-y. Oui. Vous faites un rappel au règlement ? Oui, Madame la Présidente, parce que vous avez vous-même indiqué que lors de la discussion sur les amendements, il y avait un pour et un contre. Monsieur Boyard a fait le contre, il me semble. J'ai levé la main pour intervenir sur l'amendement pour le défendre et vous ne m'avez pas donné la parole. Je n'ai pas indiqué que je faisais un pour et un contre, Madame la Présidente Le Pen. Moi, j'ai donné la parole. Non, depuis toute la soirée, j'ai donné la parole à plus d'intervenants qu'un pour un contre. Je n'ai pas vu votre main levée, donc j'ai donné la parole à ma gauche et le vote a été lancé et donc maintenant il est acquis. Donc, pour l'amendement 1359, Monsieur Valence, allez-y, nous vous écoutons. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, c'est une tâche bien redoutable que de prendre la parole après un débat aussi vif. Ce dont je vais vous parler est plus circonscrit puisqu'il va s'agir des gares, un lieu auquel les Français sont très attachés, et en particulier avec cet amendement, la possibilité pour Gares et Connexions, qui est affectataire de ces biens dont l'État est propriétaire, de bénéficier du mécénat. Il s'agit d'entretenir mieux le patrimoine de l'État, dont Gares et Connexions est affectataire, avec cette extension de la loi Aillagon de 2003 sur le mécénat, pour des gares dont le patrimoine architectural est remarquable. Je pense notamment aux gares qui sont inscrites ou classées au titre des monuments historiques, comme la gare de Limoges, par exemple, qui vient d'être élue plus belle gare de France, comme l'a été la gare de Metz, ces dernières années à plusieurs reprises. C'est donc un amendement très circonscrit puisque seules quelques gares pourront en bénéficier. Un amendement qui permettra aussi d'améliorer les finances de SNCF Gares et Connexions puisque vous le savez, 50% de ses bénéfices sur les gares où elles gagnent de l'argent sont reversés à SNCF Réseau, donc elle n'en a pas l'usage pour entretenir les gares. Et puis c'est un amendement qui permettra de mieux entretenir notamment nos grandes halles ferroviaires qui ont toujours des fonctionnalités de mobilité. Donc au titre de ce double objet d'intérêt général, je vous demande d'autoriser le mécénat pour les dons de particuliers en faveur de nos gares remarquables. Je vous remercie, Monsieur Fugit, pour l'amendement identique. Voilà, il ne marque pas. Voilà. Merci Madame la Présidente. En effet, c'est un amendement donc identique à celui de mon collègue. Nous l'avions discuté et en commission de développement durable. Il a été brillamment présenté par mon collègue, donc on ne va pas retarder plus le débat. Mais je voulais simplement rajouter que cet amendement a fait l'objet d'un vote très majoritaire en commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. Et donc, on vous invite à conclure ce soir le vote définitif de cet amendement. Merci.
Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Madame la Présidente. Très heureux aussi de revenir sur le budget qui, normalement, est notre sujet ce soir. Sur cet amendement, chers collègues, je peux comprendre votre objectif, mais je me demande pourquoi les gares et pourquoi pas peut-être les ponts, les halles, un certain nombre de monuments d'intérêt général. Donc, franchement, si on élargit trop le mécénat, on risque de le faire s'éloigner de son objectif principal, qui sont les organismes d'intérêt général. Donc, moi, je veux bien faire un avis de sagesse, si vous le souhaitez, mais franchement, je trouve qu'on prend un risque d'égarement du mécénat. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Madame la Présidente. On a un régime en France d'incitation aux dons pour l'intérêt général avec réduction d'impôt sur le revenu qui est l'un des plus généreux au monde. Il nous coûte 1,6 milliard d'euros par an. Ça permet de financer beaucoup d'actions d'intérêt général. Il y a des ouvrages patrimoniaux, et heureusement d'ailleurs, qui en bénéficient beaucoup d'ailleurs. La rénovation patrimoniale repose beaucoup sur le mécénat et sur les dons. Et donc ce n'est pas gare ou pas gare. Le sujet, c'est par qui on passe. Et la réduction d'impôts liée à un don, elle ne dépend pas donc de la nature de l'ouvrage patrimonial qui est réhabilité, mais de l'organisme auquel vous donnez. Il faut donner à un organisme non lucratif pour bénéficier d'une réduction d'impôts. Or, avec votre amendement, on ouvrirait complètement une brèche, puisqu'on ouvrirait à la réduction d'impôts les dons à une société commerciale. Alors, ce serait probablement pour rénover des gares, des ouvrages patrimoniaux, mais derrière, vous auriez beaucoup d'autres sociétés commerciales qui, par principe d'égalité, viendraient demander à bénéficier du même avantage. Donc, moi, ce que je pense, je crois que c'est un amendement, peut-être une idée qui est poussée par la SNCF, moi, je pense qu'il faut à ce moment-là qu'ils créent un organisme, une fondation, une association qui leur permet de recevoir des dons et de donner droit à réduction d'impôts pour ensuite financer ces rénovations. Mais en l'état actuel, moi, je ne peux pas donner un avis favorable à cet amendement, donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement donc, qui a reçu un avis de sagesse de la Commission et un avis défavorable du gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. L'amendement suivant, Madame Brulbois, le 1617. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous avons la chance d'avoir en France un tissu associatif particulièrement dense et actif, et en particulier dans nos territoires ruraux, qui anime la vie de nos communes et le lien social dans différents domaines, comme l'aide alimentaire, la solidarité, le devoir de mémoire, l'accès au sport et à la culture pour tous. Tout cela repose sur l'engagement de nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs moyens. Nous avons beaucoup avancé déjà en leur faveur en alignant le barème kilométrique des bénévoles sur celui des salariés. Or, les bénévoles qui ne sont pas imposables ne bénéficient pas de cet avantage. Et pourtant, ils paient cher leur carburant. Donc, nous avons besoin de bénévoles. C'est un amendement d'appel, monsieur le ministre, car je pense que nous devons trouver des moyens de soutenir le bénévolat dans nos associations, car après la crise Covid, ce bénévolat s'est un peu essoufflé et nous avons besoin de reconnaître mieux ce bénévolat qui œuvre dans nos territoires ruraux en particulier. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Madame la Présidente. Nous avons élargi, comme vous le savez, le dispositif Coluche. Là, je comprends que c'est un amendement d'appel. Son coût et son impact sont à peu près inconnus. Donc, je vous propose de le retrait. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Même avis pour les mêmes raisons. Madame Brulbois. Il est retiré, mais je renouvelle mon appel à ce qu'on travaille à mieux reconnaître le bénévolat, qui est vraiment une richesse pour nos territoires. Je vous remercie. Je vous propose de clore nos débats. Prochaine séance demain à 9h avec un débat sur les finances locales et la suite de la première partie du projet de loi des finances pour 2023. Je suis désolée.